Et voilà, bonjour à tous et bienvenue dans le goût du savoir. Je mets la caméra comme il faut. J'espère que vous êtes en forme et que vous avez tous profité du week-end de Pâques la semaine dernière. Nous, on n'a pas arrêté, hein, on s'est tous vus avec les profs. On s'éclate, on avance, on progresse. C'est génial, on a pris plein de chocolat. C'était le bonheur. On a aussi regardé une série qui cartonne en ce moment. Ça s'appelle Le Mandalorian, c'est sur Disney+. Et du coup, on s'est dit qu'on allait recevoir aujourd'hui le génial, l'immense, l'incroyable Dominique Guillot. Vous connaissez, parce qu'il a fait aussi plein de séries, des pièces et tout ça. Et c'est lui qui prête sa voix à Pedro Pascal en version française. C'est lui qui fait Le Mandalorian. Il sera avec nous tout à l'heure. Et puis, bien sûr, continuez à liker la chaîne. Hein. Allez-y, abonnez-vous, laissez des commentaires. N'hésitez pas pendant l'émission à poser des questions à nos professeurs. Ils sont là pour ça. Et surtout, parlez de l'émission autour de vous. Là, si maintenant, tout de suite, là, vous appelez 12 personnes autour de vous, et ben nous, ça nous aide. On voit qu'il y a plein de petits nouveaux aujourd'hui qu'on ne connaissait pas, et bien qu'on découvre. Bienvenue les amis. Chaque semaine, c'est un peu le cas. Hein. On a des nouveaux arrivants. Merci Télérama qui a fait un super article sur l'émission disant que c'était génial. Voilà, et ça va être formidable. Donc, on compte sur vous. Parlez de nous de plus en plus. Voilà, alors on va accueillir les professeurs du jour, enfin les premiers en tout cas, puisque vous savez que ça tourne dans cette émission. Et donc, j'accueille non pas le roi Boris, mais le roi Nicolas Soleil. Salut, mon Nico, t'es avec nous. Bonjour. Non, ça va, j'ai pas de problème de son. Non, ça va, t'as la voix normale. À cause de lui, on a été obligé de prendre une assurance spéciale pour l'émission, de peur qu'il fasse tout péter chez lui à chacune de ses expériences. C'est l'ami prof de SVT, c'est Adrien. Bonjour, Adrien. Salut les amis. Ça va? T'as pas d'expérience dangereuse aujourd'hui, tout va bien? Rien de dangereux. Alors, ça peut. Ça peut dégénérer. Mais rien de dangereux. Bon, on va voir ce qui se passe. En tout cas, on accueille maintenant un dernier prof du début de l'émission. Elle est méga fan de Star Wars, donc trop contente de rencontrer le Mandalorien tout à l'heure. Elle va nous expliquer comment nous servir de la force en cours, mais surtout de la force de notre cerveau. C'est notre psychopédagogue. Hein, c'est pédalogue. Ça, hein. C'est ça. Parce que pédalogue, c'est quand t'es sur la scène et rame avec un bateau. Je me suis un peu embrouillé. C'est le matin. Bon, vous allez bien? Tout va bien? Super. C'était bien, Pâques? J'ai mangé trop de chocolat et en fait j'ai un problème mathématique. Moi j'ai trop de chocolat, mais j'ai pas assez de cheveux que je voudrais dresser comme Alex. Bon, enfin bon, c'est pas grave. Bon, bah, non, mais tout ça va. Je vois que Adrien a sorti Gros Goût. J'ai sorti Gros Goût, le petit oui. Baby Yoda. Ah, j'avais pas compris ça. Tu connais pas Gros Goût, Nicolas. Mais tu vas voir, on va en parler tout à l'heure avec Dominique Guillot qui fait savoir. Erwan, tiens, en parlant de Pâques, j'avais une question. Pourquoi on dit Easter en anglais pour Pâques? Alors, c'est une bonne question, Alex. C'est un petit peu... ça vient de loin. C'est une histoire qui vient de loin. En fait, avant même que l'Angleterre devienne chrétienne, il y avait une déesse qui était célébrée au moment du printemps, en fait. Un petit peu comme tout, on voit que Christmas, avec la naissance de Jésus-Christ, enfin, tout tourne autour de la chrétienté, évidemment, en Europe. Donc, cette déesse, ça s'appelait Éostre. Éostre, voilà. Et elle était célébrée au début du printemps. On trouve ça dans les écrits d'un moine, en fait, c'est le seul qui en a parlé. Il s'appelle Bede. B-E-D-E. Je pense qu'en anglais, on ne sait plus Bede, mais bon. Ouais, Bede, parce que Bede, ça fait on va se coucher. Donc, il en a parlé. Et c'est sûrement la déformation de Éostre vers Easter. Ah, d'accord, parce que ce n'est pas très logique, tu vois. On se demandait pourquoi Easter, parce que ce n'est pas à l'Est. Parce que East, c'est l'Est. Donc, Easter, exact, on pourrait dire que c'est la fête. Voilà, non, ça n'a rien à voir avec ça. Alors que moi, je suis souvent à l'Ouest, donc je ne comprends rien. Eh bien, grâce à toi, on a tout compris. Merci. On va regarder tous ensemble le sommaire, les amis. Cécile, tu vas nous apprendre à optimiser notre concentration en cours. En histoire, on va découvrir la première femme qui a passé le bac. Ça, c'est incroyable. Dominique Guillot, je l'ai dit, sera avec nous. On va découvrir en langue des signes la suite des pays. Ça, c'est assez génial. En SVT, je pense qu'Adrien va tout faire péter encore une fois avec la force centrifuge. En français, donc, on l'a dit, Nicolas, tu nous parleras de la loi du roi Boris. Un livre qui, a priori, s'annonce absolument magnifique. En maths, on va apprendre à multiplier si on ne sait pas déjà le faire. Laetitia sera avec nous pour nous expliquer pourquoi les chats griffent toujours tout. C'est vrai que c'est assez insupportable. Mais nous verrons pourquoi tout à l'heure. Alors, tu es avec nous aujourd'hui. Donc, on va parler de la concentration. C'est important. Est-ce que tu as été un élève concentré, toi, Adrien, ou pas? Concentré, oui. Pas toujours très longtemps, mais concentré. Heureusement que tu as progressé en devenant prof. Et toi, Nico? Alors, c'est horrible parce que je faisais beaucoup d'imitations de profs, mais je le faisais en cachette dans l'oreille des copains. Du coup, c'était eux qui se prenaient des mots, mais pas moi. Ah, pas mal.
C'est pas très sympa. Faut pas faire ça en cours. Bon, j'imagine, Cécile, Non. que tu veux dire que tout ça, faut surtout pas le faire. Avec, je Ouais. crois, le fameux retour du PIM à croquer, hein, c'est ça. C'est ça, le fameux retour du PIN. Donc aujourd'hui, on va voir du coup comment optimiser sa concentration en cours, hein, puisque c'est ce qui nous intéresse dans le apprendre à apprendre. Donc la semaine dernière, on avait vu que il y avait un lien donc entre la concentration et l'attention. Finalement, la concentration, c'est avoir une attention active, c'est-à-dire se poser des questions. Et ces questions ont un lien avec trois choses: la perception, l'intention et la manière d'agir. Et c'est pour ça qu'on avait cet acronyme PIM. Oui, parce que perception, intention, manière d'agir, c'est PIM. On a bien compris. PIM, voilà. Donc la perception, et avoir une attention active, c'est se poser la question: je fais attention à quoi? L'intention, je cherche à faire quoi? Et enfin, la manière d'agir, je fais attention à bien faire quoi? Donc si on se pose ces questions-là avant même de commencer une tâche, on est déjà dans une attention active et dans une concentration optimale. Alors, je vous avais montré aussi ce petit moyen mnémotechnique, hein, avec les trois doigts Oui, le de la pouce, la main. perception, l'index, l'intention et le majeur, la manière d'agir, c'est ça? Exactement, Alex. Et aujourd'hui, je vais apporter des éléments supplémentaires, puisque finalement, la perception, on n'est pas obligé d'utiliser les trois choses en même temps suivant la tâche que l'on a. Donc, par exemple, on peut être simplement dans le niveau 1 de l'attention et être simplement dans la perception, et c'est-à-dire que le contexte, en fait, va de lui-même montrer l'intention et la manière d'agir. Quand par exemple vous êtes à table devant votre assiette, vous n'avez pas besoin de vous poser la question finalement comment je dois agir, etc. Puisque le contexte va de soi, donc vous mangez. Donc vous n'avez pas besoin du pimentier. En D'accord, on est revanche, en cours, c'est un peu pareil, j'ai envie de te dire. En cours, on comment? se dit que comme on est en cours, il faut qu'on s'assoie, qu'on écoute. L'intention, c'est quoi? C'est d'apprendre quelque chose. Et la manière d'agir, c'est de ne pas faire des imitations des autres professeurs, par exemple. Voilà, mais Bien comme sûr. c'est induit par le contexte, on n'a pas besoin de se poser toutes ces questions. D'accord? D'accord. Ensuite, on a donc là, on va être sur un niveau 2, donc on a et la perception et l'intention. Donc là, cette fois-ci, on va être dans quelque chose où on a une cible, un objectif. Par exemple, avant de partir en cours, vous savez que vous allez être en retard, vous commencez à partir et puis vous vous rendez compte que vous avez oublié votre portable. Donc vous avez un objectif. Vous savez ce que vous devez faire, vous remontez vite fait dans votre chambre, vous allez prendre votre téléphone et vous partez. Mais vous savez quoi faire, donc vous n'avez pas besoin du M, la manière d'agir. Et puis le troisième niveau d'attention, là on va avoir besoin des trois, et là vous allez être vraiment dans une tâche complexe, quelque chose que vous n'avez jamais fait, et là vous allez avoir besoin des trois choses. Voilà, voilà le rapport encore une fois entre l'attention et la concentration. Donc, on avait vu la semaine dernière, pour tracer un cercle avec un compas, on a bien besoin des trois choses. On ne peut pas s'arrêter qu'à la perception ou qu'à l'intention ou encore qu'à la manière d'agir. On a besoin des trois choses. Alors, justement, la concentration pour les tâches complexes, comment ça fonctionne? Eh bien, il est possible de faire succéder deux PIM. Donc, par exemple, lorsque vous êtes en cours et que vous avez à recopier un mot ou une phrase, eh bien, il va falloir faire deux PIM en même temps. Et le fait de C'est faire ces, gourmand. ouais, deux PIMs, dans des deux PIM. Et par contre, vous avez qu'une seule intention, c'est-à-dire recopier un mot. Voilà. Alors, on va voir comment ça fonctionne. Donc, vous avez par exemple au tableau le goût du savoir à recopier. Oui. Donc, comment faire de manière efficace? Donc, on va avoir deux PIM. Le premier PIM, ça va être par exemple d'abord de mémoriser le mot écrit au tableau. Et le deuxième, ça va être ensuite de le recopier. Vous l'avez retenu et vous allez le recopier sur votre feuille. Donc, comment ça fonctionne? Toujours pareil. Lorsque vous êtes dans le PIM 1, donc mémoriser le mot écrit au tableau, je fais attention à quoi? Bah, au mot écrit au tableau. Je cherche à faire quoi? Avoir une image mentale du mot, c'est-à-dire de l'avoir déjà un petit peu mémorisé, de la passer dans la mémoire de travail. Et enfin, le troisième, je fais attention à bien faire quoi? À créer une image mentale du mot, syllabe par syllabe, et le retenir. On ne se rend pas du tout compte qu'on fait tout ça. Non.
Mais parce que nous, aujourd'hui, c'est devenu tellement automatique qu'on n'a plus besoin de ces PIM. Mais en revanche, pour les élèves, ce n'est pas, ça ne va pas toujours de soi. Et donc, on passe au PIM 2, recopier le mot retenu sur sa feuille. Donc, je fais quoi? J'ai l'image mentale du mot retenu en mémoire. Je cherche à faire quoi? Avoir sur ma feuille le mot écrit comme dans l'image mentale. Et enfin, je fais attention à bien faire quoi? À convertir syllabe par syllabe l'image mentale du mot et le retranscrire sur la feuille. Donc vous voyez que ça paraît, comme tu l'as dit Alex, assez automatique. Simplement, quand on est en apprentissage, eh bien ça ne l'est toujours pas. Et que si on se pose toutes ces questions, on est dans une concentration optimale, on gagne en énergie et on gagne en temps. De Évidemment. la même façon, pour marquer un but au foot, on va avoir deux PIM. C'est déjà avoir une image mentale de la trajectoire du ballon. Et puis ensuite, lancer le Là. ballon selon l'image mentale. Ouais, ou alors Donc, on tire au pif et on y va, quoi. ouais, mais sauf que quand on veut marquer un but, on est motivé, on est super concentré et Suis on veut persuadé gagner. que Kylian Mbappé, il fait comme tu as dit. Il a encore marqué un but hier, donc tiens. Mais très sûrement, hein, en termes d'entraînement et de, comment ça s'appelle, d'entraînement mental, il y a toute une préparation mentale qui se fait et qui passe notamment par les PIM. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux faire, comment je dois faire exactement. Alors, si Mais par est-ce que ça exemple. peut pas être de l'ordre, pardon, est-ce que ça peut pas être de l'ordre du réflexe, tout simplement? C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément conscience de toutes ces étapes, mais très naturellement, dans un réflexe, on opère ces étapes. Alors ça dépend de la tâche, hein, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que on est forcément passé dans l'apprentissage par une décomposition de ce qu'on avait à faire, mais de D'accord. manière un petit peu intuitive. Sauf que quelquefois, eh ben, on n'a pas justement cette manière intuitive de le faire, et du coup, on est obligé de se concentrer à se poser ces questions pour arriver au bout de la tâche. D'accord. OK? Donc voilà, Merci. donc avoir une image mentale de la trajectoire, c'est faire attention à l'espace entre le panier et le ballon, Tu veux dire c'est la cage de avoir foot, hein? La cage de foot, le panier, c'est au cage basket. de foot, j'ai marqué panier. C'est avoir une image mentale de la trajectoire que je dois suivre, et enfin c'est se créer une image mentale de la trajectoire que va suivre le ballon. C'est vraiment de la préparation mentale, hein, ni plus ni moins. La manière d'agir, c'est aussi la façon peut-être dont tu tapes la balle, que tu peux apprendre à tout ça en travaillant, quoi. Parce que l'important dans tout Exactement. ça, Là, on va être l'important quand dans même, c'est de le. travailler, on est d'accord. Oui. Bah, c'est vraiment de l'entraînement, hein. Reproduire avec le pied la trajectoire et s'entraîner, on va être dans le PIM 2, on va être dans le lancer le ballon. Finalement, comme on l'a dit, plus on s'entraîne à se poser ces questions, plus on automatise finalement la concentration. Et du coup, ça nous demande beaucoup moins d'efforts et ça nous permet de gagner en énergie. Voilà. Alors la semaine prochaine, je vous parlerai aussi de toutes ces petites actions du quotidien qu'on peut aussi s'entraîner à automatiser. Je pense que les parents vont être très contents d'entendre ce que j'ai à dire pour pouvoir accompagner leur enfant à être autonome. Mais alors, mais vivement la semaine prochaine. C'est ça. On a hâte, on a hâte, on a hâte, on a hâte. Bon, Cécile, Déjà question, tu as eu ton fini? bac en quelle année? Je crois que c'est en 92 ou 93, je sais plus. Ouais. Oui, c'est formidable. En tout Non. cas, tu étais sûrement très pime à l'époque, pim pam poum. Mais on sent que tu étais déjà une très belle élève, c'est sûr. Mais tu as eu ton bac grâce à quelqu'un qui l'a eu avant toi. Ouais. Un truc de fou. Tu vas tout comprendre avec le cours d'histoire. C'est parti. Allez. Alors, Cécile a eu son bac hier, hein, il n'y a pas très longtemps, mais tu l'as eu grâce à une autre dame, celle qui fut la toute première de l'histoire à avoir son bac. Est-ce que vous savez en quelle année c'était les enfants ou pas? Je l'ai montré tout à l'heure dans le sommaire. Personne n'a lu. C'était en 1861. C'est une histoire incroyable, comme toujours, magnifiquement contée par Isa et José, et une sacrée victoire. Vous allez comprendre. Qu'est-ce que tu fais, José, avec cette boule dans les mains? Cette boule rouge, ah bah tu sais qu'autrefois c'est assez étonnant, mais le système du bac fonctionnait avec des boules. Dis donc, non, je savais pas, moi. Ben oui, le jury te remettait une boule rouge quand tu avais une bonne réponse. Il te donnait une boule blanche quand c'était ni bon ni pas bon, et une boule noire quand t'avais faux. Du coup, bah, si t'avais une majorité de boules rouges, bah, t'avais le bac. Eh ben, on peut jouer alors? Enfin, Ah j'aimerais bah, bien voir. on va commencer tout de suite. Je te pose une première question.
Attention, concentre-toi, s'il te plaît. Quelle est la date de la prise de la Bastille? C'est facile, ça. 14 juillet 1789, trop facile. Ouais. Tu as donc une boule rouge. Attention, deuxième question. Quelle est la profondeur du Danube à Vienne? Ça dépend sous quel pont. Elle m'a eu. Effectivement, c'est pas bon, mais c'est pas faux. Je m'abstiens. Boule blanche. Troisième question. Je cherche. S'il te plaît, Alex, tu lui souffles pas, hein, comme non, tu je fais d'habitude. Rien. Alors attention. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Noir. Noir. C'est faux. Boule noire. Alors là, attention. La dernière question est absolument décisive et elle va être difficile. Isabelle, tiens-toi bien. Quelle est la première femme bachelière qui a obtenu le bac en France? Julie Victoire Daubier. Incroyable, c'est une bonne réponse. Et c'est d'ailleurs d'elle qu'on va parler aujourd'hui. Julie Victoire Daubier, c'est parti. 17 août 1861. Effectivement, ce jour-là, le 17 août 1861, la première femme française passe le bac et c'est Julie Victoire Daubier. Mais ça a été particulièrement difficile. D'abord parce qu'elle n'avait pas le droit d'aller au lycée. Parce que les lycées qui avaient été créés au début du 19e siècle par Napoléon étaient tout simplement interdits aux femmes. Eh ben oui, et c'est bien pour ça que Julie Victoire, eh ben, elle a passé son bac à 37 ans, c'est-à-dire quand même assez tard. Elle a dû batailler, lutter, demander, essayer, tenter avant qu'on l'autorise. Et finalement, eh ben, elle réussit le bac un petit peu comme Isabelle avec ce système de boules rouges en majorité. Et elle est bachelière, mais elle n'a pas eu son diplôme en main immédiatement, Isabelle. Et non, là aussi, il a fallu lutter, puisque pendant presque un an, le ministre de l'Instruction publique de l'époque, on est sous le Second Empire, refuse d'apposer sa signature parce qu'il est contre cette femme bachelière. Oui, mais il va quand même être obligé, sous la pression du gouvernement. Tu l'as dit, c'est le Second Empire, Napoléon III est à la tête de la France, et l'impératrice Eugénie, son épouse, va faire pression pour que le ministre signe le diplôme de Julie Victoire. Et ça y est, l'essentiel est fait, on a la première bachelière en France. Ah ! Une nouvelle fois, la portée historique de cet événement est incroyable. Julie Victoire Daubier est véritablement une pionnière dans la conquête de l'égalité entre les filles et les garçons en matière d'éducation. Mais la route est encore assez longue. En 1919 seulement, les filles sont autorisées enfin à pouvoir passer le bac. Mais c'est un examen bien différent entre l'examen des garçons et l'examen des filles. Ce n'est qu'en 1924 que l'examen du baccalauréat est le même pour les filles et les garçons. Ce que tu soulèves là, Isabelle, en fait, c'est le problème de la mixité. Et finalement, c'est vrai que pendant très longtemps encore, les lycées, il va y avoir les lycées de garçons et les lycées de filles. Et ce n'est qu'à partir de la fin des années 50 que quelques établissements vont servir un petit peu de laboratoire au cours des années 60. Et c'est en 1971, donc il n'y a pas si longtemps finalement, bah, que les établissements, les lycées deviennent mixtes en France. Isabelle, aujourd'hui, finalement, on en est où au niveau des chiffres? Alors, au niveau des chiffres de candidature, on est à égalité. 50% de filles, 50% de garçons. Et ça, c'est bien. Et au niveau des résultats? Ah, au niveau des résultats, bah, vous allez le voir, hein, c'est surprenant. 93% des filles qui ont passé le bac en 2022 l'ont eu. Et alors que 89% des garçons seulement. En fait, 88. Oui, exactement. Et ça nous montre bien que finalement, les filles au bac, elles réussissent mieux que les garçons. C'est peut-être pour ça qu'on voulait les empêcher de le passer, finalement. Mais non. En tout cas, merci les amis. Merci les amis, spéciaux. On n'est pas jaloux du tout. Une chose est sûre, après vos cours, vous méritez des boules rouges. Vous avez toujours juste à chaque fois, c'est parfait. La force est avec vous, mais elle est surtout avec notre invité du jour. Enfin, pas vraiment, elle avait gros goût qu'Adrien avait tout à l'heure avec lui. Le petit extraterrestre qui l'accompagne, lui, n'est qu'un mandalorien. Mais quel mandalorien? Je vous demande de faire un triomphe, les amis. On peut l'applaudir. Regardez, je fais des applaudissements. Il est là. C'est monsieur Dominique Guillaume. Bonjour Dominique. T'es la voix du Mandalorian, la série Star Wars qui bat tous les records sur Disney+. Mais pas que ça. Tu fais plein de choses. T'as aussi un immense comédien de théâtre. J'ai vu par exemple que t'avais joué l'avare de Molière plus de 1000 fois. Ah oui.
Oui, j'ai joué plus de 1000 fois. La dernière fois où je l'ai joué, c'était la 1000e. C'était plusieurs mises en scène différentes, mais c'était l'époque où j'étais encore jeune premier, où j'avais des cheveux noirs et un peu plus longs et tout ça. Bon, ça va, Et t'es donc, encore en forme. c'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. Bon, j'enchaînais les jeunes premiers, en tout cas, j'ai eu cette belle chance, ouais. Et Cléante est un des grands jeunes premiers de Molière, c'est sûr. Ah ouais, mais c'est quand même, complètement fou, évidemment. C'est pas, c'est bon. Donc, on t'a vu aussi en télé, hein. Il y a des séries comme La Crime, ou Demain nous appartient, et là, on montre aussi Avenue Q. Avenue Q que tu avais Ah mis en scène, oui, hein, comédie musicale. au théâtre, une comédie musicale géniale de Broadway, c'est avec des marionnettes. Ça Merci parle d'en de plein de parler. sujets qui sont encore aujourd'hui d'actualité. Qu'est-ce qui Ça t'a appris? Pourquoi tu pourra as voulu encore faire se ça? remonter. Oui, parce que c'était déjà très moderne, parce que ça, en effet, ça ouvre des sujets un peu tabous, etc., sous la forme de très enfantine de Sesame Street avec des marionnettes. C'était marrant, une espèce de gros Muppet Show instructif. Et puis, les Génial ça. sujets, finalement, sont toujours en cours. On pourrait encore remonter le spectacle. Oui, Pour bah cette oui. raison aussi. Ça a été joué à Bobino d'ailleurs, voilà. Et Je tu l'ai vu à continues le Londres à la théâtre. création, c'était formidable cette pièce. Tu Ouais. continues le théâtre C'est d'ailleurs formidable. avec un ami à moi que tu vas mettre en scène à Avignon cet Dis-moi. été. Regarde, on a l'affiche, elle est magnifique. Alors c'est Brice qu'on voit dessus, Ah, qui est magnifique. évidemment. Donc Brice Hilaire, qui est un super Je vais me acteur, un cadrer comme super ça. comédien. Edwige and the Angry Inch, tu continues dans les comédies musicales en fait. Écoute, je t'avoue que cette comédie musicale-là, ça fait 18 ans que je veux la monter. 18 ans, quand j'ai vu le film, parce qu'il y a un film merveilleux, vraiment, que j'invite à voir, qui est extraordinaire, de John Cameron Mitchell. Ouais, John Cameron Mitchell, Et ouais. quand j'ai vu ce film, je me suis promis de le monter. Ben, tu vois, entre-temps, ben, j'ai monté Avenue Q. Et en montant Avenue Q, je me suis dit, la suite logique pour moi, idéalement, ça serait tout de suite de monter Edwige. Bon, ben voilà, j'ai mis 10 ans et les Et suites il y avait logiques déjà eu encore une se mise en scène en dessinent. France, hein, il me semble, dans les années 2006 ou un truc comme ça. Ça Oui, avait déjà alors il y a existé, deux j'imagine. façons. Oui, il y a eu deux. Je les connais bien, c'est des gens super, et on se parle beaucoup. Et il y a deux modes pour jouer à Edwige, et c'est assez sympa. C'est eux qui ont inventé ça. Il y a un mode amateur et un mode professionnel. Amateur, vous avez le droit de monter Edwige quand vous voulez. Il ne faut pas qu'il y ait d'argent en jeu, il ne faut pas que ça soit professionnel, quoi. Vous pouvez D'accord. exploiter l'œuvre. Et ça, ils le donnent d'une manière assez généreuse, c'est assez joli. Dès que vous commencez à le faire de manière professionnelle, bah là, c'est une autre affaire. Ça coûte très cher, c'est très compliqué. On travaille avec les Américains. Voilà, c'est Et très là, tu vas le ambitieux. faire à Avignon, du coup, de cette façon un peu On va le créer à professionnelle, très Avignon, cher. c'était aussi mon rêve, parce que comme c'est une comédie musicale un peu, avec un sujet encore un petit peu Oui. compliqué, c'est un peu la suite logique d'Avenue Q pour moi, je me suis dit le créer à Avignon comme une œuvre théâtrale, ce que c'est vraiment une œuvre théâtrale très 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 forte, Edwige, c'est là que ça peut vraiment déclencher le gros pétard, quoi. Oui, Voilà, ça donc raconte l'histoire j'espère. d'un rocker trans, hein, sans trop en dire. Exactement, Voilà. qui s'est retrouvé trans un peu, pas très volontairement, et puis qui l'a fait un peu pour rien, et qui se retrouve un peu perdu à faire le tour des États-Unis, raconter sa vie sur un fond de concert de rock magnifique qu'il livre au public tous les soirs avec une grande impudeur. C'est très, 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 très émouvant. Ça remplit les théâtres de 2000 places à Broadway depuis 20 ans. Et nous encore, c'est pas encore arrivé ici. Donc voilà, je suis très, très, très fier de ça. C'est vraiment pour ça que je le fais, vraiment, comme je l'avais fait pour Avenue Q. Je voulais vraiment importer ça à Paris, ça me plaît de donner ça au public. Ah Et ouais, là non, mais c'est aussi, génial. j'y Et en crois vraiment. plus, ça a été joué par des immenses stars aux US. Hein. Il y a Neil Patrick Harris qui a fait Hedwig. Bien Il y a sûr. Darren Criss qui maintenant est très connu. Hein, parce que si tu vas voir les. Énorme star, Ouais. énorme star, bien Donc sûr. j'espère la même suite pour Brice que moi je connais depuis 20 ans. Tu vois, donc ça. Eh ben, écoute, je suis ravi que tu aimes Brice, c'est une preuve de bon goût de plus de ta part. Et en effet, c'est un immense acteur. Et je voulais vraiment un très 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 bel acteur. Je crois que c'est presque la première fois qu'il va vraiment chanter. Or, il va faire un concert de rock de 1 heure et demie. Ah oui. Mais l'acteur passe devant. Et Brice est un sacré acteur, comme tu sais. Voilà. Ah oui, je sais très bien. Donc, bah, écoute, j'ai hâte de voir ça. Vous allez à Merci. Avignon. Nicolas, je crois que tu vas souvent à Avignon, toi, non? Et Adrien aussi, d'ailleurs. Ah, figure-toi que non, j'y vais assez rarement. Ah, parce que, Mais alors, je me nous tiens au avons courant de ici l'actualité deux théâtrale apprentis à. acteurs, hein, ils sont profs de l'éducation nationale, cher Dominique, mais les deux jouent la Oui. comédie. Adrien, j'ai plein Ah, de photos de lui magnifique. au théâtre que je ne diffuserai jamais parce que c'est pas possible. Il est en épouvantail dans Le Magicien d'Oz. Faut pas montrer l'image. Non, Le non, Magicien c'était d'Oz. dans l'épouvantail de Tardieu, c'était pas le magicien Ah, d'Oz. c'est Ah, pas c'est le formidable. Magicien d'Oz. Ouais, Mais très oui, belle. ils ont Mais fait plein de choses. Ma mère qui fait partie de l'éducation nationale à la retraite maintenant, puisqu'elle a été professeure et qui est professeure elle aussi tout à fait contre sa, à la retraite tout à fait contre sa volonté, elle aurait vraiment continué à travailler parce que ça l'a passionnée, m'a souvent comparé son métier au mien, en tout cas. Donc c'est assez logique qu'on joue la comédie quand on a devant 40 élèves, quoi, tous les jours Exactement. différents. Et maintenant, du coup, les enfants, c'est la voix.
Est-ce que tu leur fais justement la voix? Alors c'est la voix, this is the way, c'est la voix. Est-ce que tu leur fais la voix du Mandalorien? Est-ce qu'ils reconnaissent la voix? Alors bon, faut dire que dans le Mandalorien, hein, quand tu connais, il parle pas beaucoup quand même. Oui. Il est plutôt du genre à te donner une mandale ou rien d'ailleurs. Mais Oui. Oh, c'est joli. C'est joli. C'est joli. Mais est-ce que du coup, souvent, tu fais la voix, on te la demande, on te reconnaît pour ça, ça te fait quelque chose? On m'a demandé de le faire sur des répondeurs, oui, pour dire telle est la voix. Mais c'est une façon de parler qui est assez basse. Mais c'est vrai, comme tu le dis, je suis très aidé. C'est qu'elle est truquée. C'est-à-dire que il parle, il dit gros goût, ne touche pas ça, ne touche pas ça, gros goût, viens là, je te vois, je te vois. Il est là. Mais en plus de ça, alors d'abord, il joue moins que ça encore que je viens de faire. Il est très plat. Il est très Ouais. très plat, très flat comme ça. Il a, on le saura plus tard, mais il a un problème sentimental très profond, ce qui fait qu'il a cette façon de jouer un peu plate comme ça, un peu froide. Et il est aussi truqué en voix. Et vous l'aurez remarqué pour ceux qui connaissent un peu le doublage, c'est quand même très facile ce coup-là pour moi, parce qu'on ne voit pas ses lèvres. Eh oui, Donc alors il y a ça quand c'est même. génial pour toi. C'est ce que Oh là j'allais te dire. là. C'est presque le doublage le plus facile de Il l'univers. Il a est, il est, pas le il est droit, con. on va expliquer, hein. Pour les gens qui ne connaissent pas, il n'a pas le droit normalement d'enlever son casque. Bon, normalement, parce que si vous regardez la série, vous verrez que bon, bah, du coup, ça cause des problèmes. Et ça nous amène sur la saison 3 qui est en train de. C'est bientôt le final, hein, d'ailleurs, de la saison 3. Mais c'est vrai que du coup, tu ne vois pas les lèvres. Donc il n'y a pas ce qu'on appelle le labial. Tu peux juste parler et jouer comme tu le sens, toi, ce qui est bien. Est-ce que du coup, tu te détaches plus peut-être de l'interprétation originale que dans les séries où tu dois suivre absolument les émotions du visage du caractère ou pas? Ben, malheureusement, enfin malheureusement, je ne vais pas dire malheureusement, parce qu'ils nous écoutent certainement, mais c'est un plaisir aussi, mais ce sont des contraintes. C'est pour ça que je dis malheureusement, ce qui pour un artiste n'est toujours, ben, toujours très agréable. Il y a des contraintes de Disney qui veut quelque chose de très précis. Et ils C'est sont normal, là, ils et savent ils ce qu'ils sont font. présents, ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils vendent, Bien c'est en sûr. effet leur produit, et ils sont présents, très présents. Et la Donc question il que n'y a pas tout de. le monde se pose quand tu fais le Mandalorian, est-ce que tu dois est-ce que tu dois scier des trucs disant que tu ne peux absolument rien dévoiler, que tu ne peux rien dire à personne sur l'histoire? Mais c'est-à-dire que la fois où j'ai signé le premier contrat, j'ai signé un contrat de confidentialité qui était vraiment comme ça, qui faisait presque 70 pages. Et toutes les fois où je vais enregistrer, je resigne un contrat de confidentialité dans lequel il est écrit, et je fais donc ma première erreur en public, que je n'ai pas le droit de dire que je signe un contrat de confidentialité. Oui, mais bon, on s'en doute bien que t'en sais rien, hein, parce que surtout, ce qui est incroyable avec cette Voilà, série, vous allez le voilà. voir, si vous ne la connaissez pas vraiment, je ne peux que vous dire une chose, si vous êtes fan de Star Wars ou même pas d'ailleurs, parce que c'est un univers un peu, c'est Star Wars, mais c'est un univers un peu sympa, même si vous ne connaissez pas, allez voir la série, elle est absolument incroyable, et il y a des surprises tout le temps, je veux dire, le petit Grogu que notre ami Adrien là, avec lui dans la saison 1, personne ne l'a vu venir, quoi, ils avaient réussi à garder le secret, c'est incroyable, et après, il y a eu d'autres guests au fil des saisons, complètement sidérants, que personne ne savait qu'ils étaient dans la série, on découvre la série et c'est absolument génial. Donc j'imagine que pour toi, c'est très chouette. Bon, tu sais que le but ici, Oui. c'est de répondre à un petit questionnaire qu'on appelle le questionnaire du good. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Je Alors, suis quelle était prêt. ta matière préférée à l'école? Tata! Bon, oh, c'est oui, c'est le français. Ah, bah c'est Nicolas qui va être content du coup. Ah ben bah, oui, non, mais le pire c'est que c'est fréquent, donc je suis un peu blasé maintenant, mais c'est logique, le français, ça conjugue plein de choses différentes. Ouais. Je Comme le crois. disait tout à l'heure, voilà, c'est le Trop facile. Et la théâtre. matière que tu aimais le moins? Le sport. Ah, le sport? Je séchais, j'y allais jamais, je crois, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai pratiquement aucun souvenir de sport, de PS, tout ça, de tout mon collège et tout mon lycée. J'ai dû sécher tout le temps, je Bah, sais pas c'est comment j'ai bizarre parce que fait. pourtant dans les séries, parfois on doit cavaler. Ah, c'est vrai, hein. Je suis vraiment un acteur, alors, parce que je donne vraiment vraiment, je fabrique vraiment des illusions, alors. Et même Ah ouais, bah moi-même, t'es je le très vois à fort. l'image, je dis donc, on dirait que, hein, mais on dirait que. Est-ce C'est qu'il y tout. a un livre qui t'a laissé un souvenir impérissable lors de ta scolarité? Tu sais, on nous fait lire des livres parfois, on n'est pas trop content, mais est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué énormément? Oui, mais je crois que c'est Poil de carotte que j'avais dû lire et qui m'a ensuite d'ailleurs un peu suivi après quand j'ai fait ce métier. C'est Poil de Pourquoi? carotte, Parce que tu t'es marié à une rousse ou c'est pas... oui. Non, je l'ai créé après au cours Florent, quand j'étais au cours Florent en atelier de fin d'année, j'ai créé Poil de carotte. Ah, bah dis donc, tu me le rappelles, en comédie musicale.
Ah. C'est drôle, tu me le rappelles à l'instant. J'ai écrit adaptation Poil de Carotte, ensuite en comédie musicale. C'était mon concours de sortie de la classique de Florent, en fait. Eh ben, C'est c'est fou. dingue ce truc de cette comédie Oui. musicale. On va découvrir que ça te suit depuis le début. Et quel est le film de ton enfance dont tu te souviens le plus? Oh, le film de mon... c'est E.T., mais j'étais pas enfant quand même. Évidemment, je crois que ce qui m'a le plus marqué, c'est bête à dire, hein, mais c'est Bambi, je m'en souviens encore. Alors, ça trahit un peu la dizaine de mon âge, hein, mais Bambi, je m'en souviens, c'est fou. Eh ben, tu vois, il y avait déjà du Disney dans ta vie à l'époque, donc. Et quelle est la première chanson que tu as chantée dans ta salle de bain? Parce que tu chantes, hein, tu as même fait une comédie musicale, Mégalopolis, Oui. où toi-même tu étais dedans, je veux dire, en plus de celle que tu mets en scène. Quelle est la première chanson que tu as chantée, du coup? Oh, je pense que c'était des chansons d'Yves Montand, j'adorais ça. Ah, mais en plus, il y a un petit air, maintenant que tu dis Oui. ça. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, ça m'intéresse beaucoup, Montand. Oui. Ah oui, mais non, mais c'est vrai qu'il y a un petit truc physique un peu. Je sais pas si t'es content qu'on te dise ça, mais je trouve qu'il y a un Si, petit si, truc. si, 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 non, non, mais ça me touche bien, même. Et puis, j'ai été une fois abordé par un réalisateur qui voulait faire son film, qui s'est pas fait, d'ailleurs, et comme quoi, Ah, bah sur tu Yves vois, Montand. il y avait un Oui. truc. Quelque Alors la chose. question qui fait toujours tous nos invités, est-ce que tu te rappelles le prénom de ton premier crush à l'école? Ah oui, alors ça devait être, je ne sais pas pourquoi je m'en souviens, parce que ça devait être en CM1 ou CM2, Ah elle oui, s'appelait très tôt. Muriel. Bah, je Muriel. pense, oui. C'est ça, oui, parce que je sais où j'habitais, et c'est vraiment très, très, très vieux. Et je vais te dire, c'était donc avant mes 7 ans. Alors, je ne sais pas en Ah quelle oui. classe on est à 7 ans. Et t'as des nouvelles de Muriel? Ben non, si elle sait, cette Muriel, qui je suis, je pense quelquefois, parce que ce prénom est resté. Tu te doutes bien que beaucoup de prénoms ont suivi depuis. Non, je sais Et pas, c'est. je me doute pas, je peux présumer que ce soit. Je te parle de mes 7 ans quand même. Donc, mais celui-là est resté. Je ne sais pas pourquoi. Elle s'appelle Muriel. Si elle sait, eh ben voilà, elle me contacte. Et quelle est la plus grosse bêtise que t'aies faite à l'école? À l'école, ouh là là, à l'école, j'avais beaucoup de mal parce que ma mère était prof où j'étais, hein, donc c'était difficile. Je pouvais pas faire trop de Oula. bêtises. Mais je crois que j'ai piqué un jour des pains au chocolat pour plein de gens, quoi, et les manger dans le préau. Bah, j'ai piqué un sac de pain au chocolat, mais c'était pas terrible, hein, parce que c'était le collège où travaillait ma mère. Hein. C'était pas terrible. Oui, Robin c'était des pas. Bois de la viennoiserie. Ouais. Pas On est allé, dramatique. j'en ai piqué genre 10, on était les manger sous le préau. Genre, ouais, génial, j'ai gagné, j'ai piqué les. Bon, Ah, oh, c'est bon. joli quand même. C'est pas mal. Et alors, la vraie question qui intéresse tout le monde, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de questionnements, les enfants. On leur dit tellement que tous les métiers vont disparaître, qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils vont faire quand ils seront un peu plus grands, tu vois, avec tout ce qui se passe en ce moment. Même Évidemment. dans le métier d'acteur, d'ailleurs. Hein, tu as vu que les acteurs Évidemment. se lèvent contre l'intelligence artificielle qui arrive à faire la voix maintenant de n'importe qui. Absolument. Donc, ce qui va être compliqué, même pour nous, à un moment donné. À quel âge t'as su, toi, que ton métier serait devenir comédien? À 13 ans, je crois, pas 13-14. Et c'était quoi le déclic? 13-14. Une pièce que j'ai jouée dans ce fameux collège où j'étais au club de théâtre. Tu vois, je préférais être au club de théâtre qu'en EPS, quoi, en fait. Et ben, à l'issue de ce club de théâtre, tout bêtement, c'était à Jean-les-Pins, au Palais des Congrès de Jean-les-Pins. C'est pas mal, quand même, c'est chic, hein. Ils C'est passent vrai, des c'est belles très tournées chic, c'est maintenant très chic. là-bas. Et oui, et on a joué ben, une pièce de fin d'année, quoi, devant tout le monde. Et puis je me suis inscrit au Conservatoire de Nice à 13 ans sur dispense, alors que l'entrée n'était prévue qu'avec un minimum de 14 ans. J'ai insisté beaucoup. Et puis à 16 ans, j'ai fini le Conservatoire de Nice. Donc je suis parti à Paris. Et là, tu étais Donc, sûr de toi, quoi. Tu savais que c'est ça que ah tu bah voulais faire, là, parce que c'est quand même pas un oui, il métier valait facile, on va mieux. pas se le cacher. Non, 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 il valait mieux que je sois sûr de moi, puis il valait mieux que je rassure aussi mes parents quant à ma conviction, parce qu'ils faisaient un sacré pari de laisser partir leur fils à 16 ans pour aller faire de la dramatique. À Paris, quand même, mais bon, je pense toujours à eux, à chaque fois que je fais quelque chose de plus, en fait, que je signe quelque chose, je me dis c'est toujours une récompense pour eux d'avoir fait ce pari. Voilà. Exactement. Si tu avais été à l'école des super-héros, quel super-pouvoir t'aurais voulu apprendre? Alors, t'es le mandarin, déjà, c'est pas mal, mais dans la vraie vie. Ah, c'est la téléportation, j'en rêve, j'aimerais tellement, parce qu'il paraît qu'on n'est pas très très loin. Il paraît qu'on n'est pas très loin de l'invention de la téléportation, Ouais, mais ils ont je déjà pense quand réussi même à que faire un truc, mais alors, pour l'instant, ils ont fait bouger qu'une particule, si tu veux. Donc, avant qu'ils te fassent Ah. bouger tout le corps, en Très plus, je veux pas être fort. le premier à tester, parce que si tu te réveilles avec un bras à la place d'une jambe ou autre chose, t'as quand même pas l'air super fin, quoi. Tu te dis, bon, salut les gars.
Mais moi, ce serait bien pratique, tu vois, parce que juste après l'émission, je prends l'avion, je fais 10 000 km, je reviens dans une semaine, enfin bref, c'est l'histoire de ma vie. Si le jour où ils inventent ça, je suis, oulala, je suis plus heureux de la planète. Et dernière question, quelle est la chose dont tu es la plus fière de toute ta vie? Oh, le plus fier. Franchement, j'en reviens à ce que je disais, hein. J'ai un gros besoin de reconnaissance et de validité, de validation, je pense, familiale de mes parents. Et je ne pense, je ne fais jamais rien sans y penser, c'est vrai, hein. Que ce soit au théâtre, que ce soit. Donc, cette fierté, d'eux est importante pour moi. Eh ben c'est beau. C'est beau tout ce que tu dis. En tout cas, C'est merci d'être là sincère. avec nous ce matin. Tu veux suivre un cours ou deux pour apprendre des Ah, mais choses? avec plaisir. Avec plaisir, c'est On va dimanche, c'est t'apprendre un bien. truc. Comment c'est arrivé dans ta vie d'ailleurs le Mandalorien? C'est par hasard ou c'est ou tout de Mais suite ils ont pensé oui. à toi? J'étais en train de tourner une série dans le sud et c'est de Big Brothers qui m'ont appelé pour le faire des essais. Ils m'ont dit on a proposé une vingtaine de voix à Disney et ils veulent pas. Est-ce que tu veux bien venir passer des essais? Moi, je suis pas du tout un habitué des doublages. J'en fais quand même très peu. J'ai dit bah non. Si vous avez vu, et puis j'en connais des copains qui sont des génies du doublage. Ça, si c'est pas passé, ça passera pas. Il m'a dit je sens quelque chose et je suis venu faire les essais et c'est passé. Je ne peux rien expliquer de plus. C'était une question d'oreille. Hein, c'est de la musique une fois de plus. Donc ça s'explique pas. J'ai eu la chance donc ça leur a plu. Mais je suis bien moins doué en doublage que beaucoup de mes potes qui en font beaucoup. Ça, En je tout le cas, tu as la chance de faire ça et tu sais que là, ils ont annoncé plein de choses, hein. Il va même y avoir un film, a priori. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et il y a un personnage aussi. Je vais aller m'amuser à le regarder, qui est au parc à Disney. Maintenant, il y a un personnage qui se balade dans la rue et qui parle et qui est télécommandé avec un ordinateur, un bonhomme qui entend ce que les gens disent par des micros qu'il a sur lui et qui répond par des phrases, avec des on a enregistré 3000 phrases, je crois. Et il répond par des phrases, oui, Attends, à t'as ton public enregistré autour. 3000 Oui, phrases oui, pour que oui, le petit oui. bonhomme du parc il réponde avec ta voix? 3000. On a passé 2 jours et demi à enregistrer des phrases. C'était presque, ça rendait dingue à la fin. Mais c'est un truc de fou, c'est génial. Mais bon, c'était amusant. Et dirigé directement par les Américains sur le grand écran qui nous regardait en Skype et qui disait non, on va en faire une dernière de celle-là. Incroyable. Eh ben, il t'arrive des C'est trucs de fou, passionnant, hein? c'est quand même C'est assez passionnant. génial. Franchement, C'est c'est plutôt cool passionnant. comme truc. Tiens, petite question, est-ce que tu as déjà dû pratiquer, toi, la langue des signes pour un rôle ou l'apprendre? J'ai failli parce que j'ai failli. J'adore. Je sais que ça vous fait une transition qui est superbe. Et en effet, je suis très ami avec une fille qui a été dauphine Miss France, s'appelle Sophie Vouzelot. Et avec elle, j'ai voulu monter Les Enfants du Silence, une très belle pièce sur le sujet. Et puis, ça ne s'est toujours pas fait. On ne sait jamais. Rien n'est jamais abandonné. Donc, oui, j'ai approché ça beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup. Donc, je vais beaucoup écouter ce que vous allez dire. Écoute, effectivement, nous avons le cours de langue des signes qu'on fait une fois toutes les 2 semaines avec nos amis Nathalie et Betty, qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui sont avec nous en vidéo. C'est parti. Alors, il y a 15 jours, on avait commencé à découvrir, hein, que les pays ou les villes, ça se disait d'une façon spéciale en langue des signes, parce que sinon, on est obligé de faire tout l'alphabet à chaque fois, et c'est compliqué avec les lettres de la ville, mais ils ont trouvé des raccourcis visuels pour chacune des villes ou des pays. Parfois, c'est très surprenant. Vous allez voir que l'Argentine, par exemple, c'est assez génial. Et on continue de faire le tour du monde avec Nat et Betty. Bonjour, les filles! Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va vous apprendre à signer les pays et les villes. Voilà. Le premier, allez, on commence. L'Algérie. La configuration, c'est le J. J avec les deux mains. Voilà. On en place un sur le front et un sur le menton. Et ça représente la lune sur le drapeau Ah, le drapeau. algérien. Ouais. Le deuxième. Le deuxième, regardez bien, c'est l'Arabie Saoudite. Alors, la configuration, c'est le pouce et l'index, comme ça. Et on fait sur le front, on fait hop, on fait le ruban. C'est le Ah, c'est le ruban ruban. de la coiffe, voilà, en Arabie Saoudite. Le rock'n'roll des Quoi? États-Unis. Eh, quoi? Bah, Alors, devinez, quel rock'n'roll. pays? Ah, L'Argentine. et oui. Facile.
Ah bah facile. Hop, 5 pliés. Mais ça représente la guitare. C'est la guitare. Voilà. Mmh. Voilà, c'est facile. C'est pour la danse, quoi. Alors, à votre avis, ça, c'est quel pays? Ça, c'est... Comme ça, là. Hop. Hop. L'Australie, du kangourou. Index debout. Kangourou, peut-être, t'as peut-être raison. Hey, c'est où, ça? C'est la Bolivie. Ah mince. C'est allez, lama. Le lama. Le lama. C'est le lama. Ouais, c'est le lama. Ouh, pas belle la vie. Nathalie est comédienne aussi, hein, Dominique. Ouais. La Jamaïque. Cuba. Là. Ah oui, Cuba, oui. Quoi? Alors, quel pays? Devinez. Bah, Cuba, il a dit, Adrien. Cuba. Ça, Cuba. Bah oui, c'est ah, ça, oui, bravo, c'est Adrien. Facile, Cuba. C'est quoi, le O qui représente le cigare. C'est et facile, hop, du coup. Cuba. Très facile. Ah, ça, je connais. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah oui, les mains en moufle et on fait... Bah, il fait canard froid, du coup. La Laponie. C'est le Canada. Ah, bah, pourquoi Canada? Ah, je sais. Les bretelles. Ah. C'est ça. Ils ont des bretelles, les bretelles canadiennes, les grosses bretelles. Ah oui, d'accord. Eh oui. Je savais pas. Je sais pas. Le pouce en forme de A qui fait. Ah, la Chine. Bah pourquoi? Bah oui, la pourquoi Chine. Pourquoi? Ah oui, bah, les habits avec les liserés sur les costumes traditionnels. Là où les avec les petits boutons là. Ah voilà, c'est la d'accord. Chine. Je suis sûr que Dominique, tu vas la prendre dans un rôle. C'est parfait. Qu'est-ce qu'il y a? Bah quoi? C'est donc, facile c'est, ça, je pense qu'on peut trouver facilement quand même. C'est l'Espagne? Non, c'est pas l'Espagne. Ah, c'est pas comme ça? On fait pas le flamenco comme ça? Ah bah oui. Ah bah si, voilà. Ah oui, l'Espagne. Pourquoi bah pour le flamenco. Ouais, bah, oui. C'est ça. Bon, je me suis un petit peu trompée, c'est rien quoi. C'est pareil. Ok. Allez, ciao. À bientôt les filles, ah bah... à bientôt. T'as vu, on apprend plein de trucs, Dominique, hein. Elle est drôle quand même. Mais tu non, mais alors, je ne rigole pas, Nathalie est vraiment comédienne pour le coup. Et oui, elle a un style, elle est drôle. Nathalie est vraiment comédienne. J'ai découvert ma langue des signes sur une de mes comédies musicales aussi que j'ai mise en scène, qui s'appelait Timéo, qui était au Casino de Paris. Ben oui. Et oui. Comme c'était un spectacle sur le handicap, je voulais absolument que quand même tu aies de la langue des signes. Quoi. Et c'est Nathalie qui avait appris à tout le monde à signer. Ah, super. Qui nous avait fait le théâtre, en langue la pièce en langue des signes. Une fois, on avait fait la présentation où elle doublait toute la pièce. Wow. Voilà, et c'était un sacré boulot pour le coup. Et voilà, et elle est aussi vraiment comédienne. Mais c'est fascinant, je trouve, c'est tellement visuel que je trouve c'est qu'il magnifique. Y a un truc incroyable. Et en spectacle, ça rend très très bien. Bon allez, je te garde encore pour un cours parce que c'est le plus drôle de la semaine en général. Avec plaisir. Tu vas voir, c'est celui où toujours ça déconne. Très bien. Adrien, tu sais que Dominique cherche souvent des comédiens. Ce cours qui arrive est une audition. J'espère que tu vas être bon. Alors, Adrien, on le sait, chaque semaine, tu nous fais tourner la tête. Notre manège à nous, c'est toi. Mais cette semaine, je crois que ça va être encore plus vrai. Et oui, puisqu'on va parler de la force centrifuge. Alors, j'espère que la force centrifuge sera avec moi aujourd'hui. La force centrifuge, elle est tous les jours autour de nous. Par exemple, lorsque j'ai lavé ma blouse dans la machine, le tambour tournait très vite au moment de l'essorage. Ça, c'est la force centrifuge. J'ai sorti mon essoreuse à salade. Ah. Dedans de la salade fraîchement lavée. Ah. Lorsque je fais tourner la moulinette, je me mets de l'eau partout. La salade est plaquée contre les bords du panier. L'eau qui était sur la salade est projetée contre les bords de l'essoreuse. On peut la récupérer au fond de l'essoreuse à salade. Ah oui. C'est grâce à la force centrifuge. C'est de la force centrifuge donc qu'on va parler aujourd'hui et on va découvrir ensemble, grâce à quelques petites expériences amusantes, de quoi dépend cette force. On va commencer par un premier défi. Je vais récupérer ma salade, la mettre dans cette assiette
Sur ma table, je vais également placer quelques petites tomates cerises. D'accord. Encore ? Encore. On fait beaucoup de trucs avec les tomates cerises. Il faut expliquer à Dominique parce que Dominique, il ne connaît pas l'histoire. Sur la table. Je vous parie que je vais pouvoir faire passer ces tomates de la table à l'assiette sans toucher ni aux tomates, ni à l'assiette, ni à la table, simplement grâce à ce verre à pied. Alors Dominique, est-ce que c'est possible sans utiliser la force à ton avis ? Certainement. Eh bien, regardez, j'isole ici une petite tomate cerise. Je place mon verre au-dessus et je vais effectuer des mouvements circulaires. Oh ! Incroyable ! La tomate est entraînée à l'intérieur du verre. Il me suffit de soulever le verre, de le déplacer au-dessus de l'assiette, d'arrêter les mouvements circulaires et la petite tomate tombe dans l'assiette. Regarde, je recommence. On va préciser aux enfants, s'ils font ça à la maison, de faire attention à ne pas casser le verre, hein, évidemment. Ouais. Oui, évidemment. La tomate est entraînée dans le verre. On arrive à la voir. Magnifique. Là, je l'ai fait tomber un petit peu trop tôt. Et il me suffit de la lâcher au-dessus de l'assiette. Alors, c'est génial, Adrien, mais l'intérêt est quand même assez limité, parce que si tu mets 6 heures à faire ta salade, parce que tu fais ça à chaque fois... Mais c'est une belle illustration de la force centrifuge. Qu'est-ce qui a fait monter la tomate dans mon verre? Eh bien, sur la tomate, s'exercent 3 forces. La première de ces forces, c'est le poids, une force qui est dirigée vers le bas. La deuxième force, c'est la fameuse force centrifuge. Force qui va plaquer ma tomate sur les bords, sur les parois du verre. Et la troisième force, c'est la réaction de la paroi du verre sur la tomate, force exercée par la paroi du verre sur la tomate, et qui, elle, est légèrement inclinée vers le haut, étant donné que la paroi de mon verre est elle-même légèrement inclinée. La résultante de ces 3 forces est, du coup, légèrement inclinée, elle aussi, vers le haut, et me permet de faire monter la tomate dans le verre, et donc de la déplacer au-dessus de l'assiette. Donc on le voit, la force centrifuge, elle est présente dans ma machine à laver, dans mon essoreuse à salade, dans mon verre ici pour cette petite expérience. La force centrifuge, c'est quoi? C'est une force qui va s'exercer lorsqu'un objet est en mouvement circulaire, c'est-à-dire tournant rond. Et cette force, elle tend à éloigner l'objet du centre des courbures. C'est également cette force centrifuge qui nous déporte légèrement lorsqu'on prend un virage trop serré. Ici, j'ai une petite voiture dans laquelle j'ai Mickey, c'est Dingo qui pilote. Si Dingo prend un virage un petit peu trop serré, Mickey, qui est ici, va se sentir légèrement déporté vers l'extérieur du virage. C'est dû là encore à la force centrifuge. Je veux dire que cette, je vois bien que Dominique est impressionné par la mise en scène de l'émission. Et par les je suis en train de monter. C'est pas fini, accroche-toi, c'est pas fini. C'est magnifique. J'espère que t'as mis ta ceinture parce que c'est pas terminé. Je pensais qu'on va voir désormais, grâce à deux petites nouvelles expériences, de quoi dépend cette force centrifuge. Il va falloir que je me lève, les amis. Ah, c'est là où les problèmes commencent en général, Dominique. En général, ça commence comme ça. Hein. C'est là que les assurances s'inquiètent. Remonter un petit peu ma caméra pour vous présenter cet appareil-là que j'ai fabriqué à l'aide d'un tube en plastique de stylo bille dans lequel j'ai passé une ficelle aux extrémités de laquelle j'ai placé 2 poids. Il s'agit de pâte à modeler. Un petit poids, une petite boule de pâte à modeler jaune que je vais placer au-dessus. Et une plus grosse, en bas, ici, bleue, que je vais placer en dessous. Il va me suffire, j'ai remonté un petit peu ma caméra, hop là. Il va me suffire, regardez, d'effectuer des petits mouvements circulaires pour réussir à, ouais, regardez, faire monter la grosse boule simplement à l'aide de la petite. Mais normalement, la petite, elle est beaucoup plus légère. Te fais pas mal, stylo. Te fais pas mal, il va se la prendre en pleine tête, c'est sûr. Je vais me la prendre en pleine tête, oui, c'est sûr, t'as raison, Alex, faut que j'arrête. En faisant tourner le stylo, grâce à la force centrifuge, la petite boule tire, tracte la grosse
et réussi à la faire remonter. Mais ça veut dire qu'elle devient plus lourde ? J'augmente la masse de cette petite boule. Ah oui, c'est ça. Je rajoute un petit peu de pâte à modeler. Et j'obtiens du coup deux boules. Oh mince ! C'est cassé. J'obtiens deux boules de même masse. Si je recommence l'expérience, je réussirai encore plus facilement à faire monter ma boule bleue. Et mais ça veut dire que la force centrifuge augmente ta masse. Pardon ? La force centrifuge, du coup, elle augmente la masse du truc. C'est pour ça que tu peux tirer la grosse boule avec la petite boule. Alors, ça augmente pas la masse. Ça exerce une force ici sur la ficelle qui va me permettre de faire monter la boule bleue. Et si j'augmente la masse de ma boule jaune, la force centrifuge sera encore plus importante. Je pourrai encore plus facilement faire monter ma boule bleue. Donc, on voit que la force centrifuge, elle dépend de la masse de l'objet qui tourne. Dernière expérience. J'ai préparé ici un petit panier à l'aide d'une bouteille en plastique coupée en deux et d'une ficelle qui me sert d'anse. Oui. J'ai placé deux anses, une grande et une plus petite. Ah oui, t'as une petite. Je vais remplir ma bouteille d'eau. Ah, les ennuis arrivent, je le sens. On sent le truc venir. Et je vais faire tourner la bouteille. Regardez, je vais commencer par la petite anse. Ok. Je place mon doigt au niveau de l'anse du panier. Tout le monde s'en vient à la catastrophe, hein, je te le dis. Et je vais pouvoir faire tourner la bouteille autour de mon doigt sans renverser l'eau, si tout se passe bien. Attention, c'est parti. Regardez, j'en perds pas une goutte. Et nous, pas une miette. Il y a un moment où l'eau et au-dessus de mon doigt, et où donc elle devrait couler au sol. Mais c'est pas plaqué par la force centrifuge, c'est ça ? C'est la force centrifuge qui pousse mon eau au fond de la bouteille. Comment arrêter ça, par contre ? Ah, bien joué ! Regardez, bravo ! L'eau est toujours là. Si je recommence avec la grande anse. Ah là, c'est plus compliqué. Est-ce que ce sera plus simple ou plus difficile ? Ah ben, plus dur, plus moi, difficile. Je dirais. Plus difficile. Ouais, et ben on va essayer. Attention, c'est parti. Regardez. Ah, ça a l'air plus facile en fait. Mais pourquoi ? Parce que la force centrifuge, elle dépend également de la distance entre l'objet et le centre des rotations. Plus cette distance est importante, plus la force centrifuge est grande. Ah oui, ici, exact. J'ai une force plus importante qui s'exerce sur mon eau. Elle est donc plus facilement plaquée au fond de ma bouteille et il y a moins de risque d'accident. C'est sidérant. Si par contre, je diminue la vitesse de rotation, ben là, la force centrifuge diminue également. Et c'est là qu'il risque d'y avoir des accidents. Si je vais plus doucement, ouais. J'en mets partout. Exactement. J'espère que l'ordinateur a été épargné. L'ordinateur a été épargné. Bien compris, je vais juste chercher une serpillière. Oui, voilà, on fait ça. En tout cas, c'est formidable. Dominique, quand tu fais le Mandalorian, est-ce que tu t'entraînes comme un cosmonaute ? Parce que tu sais, les cosmonautes, eux aussi, en fait, les cosmonautes, ils vont dans les centrifugeuses. Regardez, ça, c'est une centrifugeuse de NASA. On les met dedans, les cosmonautes, pour qu'ils tournent à toute vitesse. Hein. C'est ça, Adrien. Je crois que le but, c'est de les habituer à la désorientation dans l'espace. Mais c'est assez flippant, franchement. Oui, effectivement, les astronautes, ils sont soumis à des forces très importantes, notamment des accélérations très importantes. Et ces entraînements en centrifugeuse, ça permet de les soumettre du coup à une force centrifuge assez importante et donc de les entraîner, les habituer à ces forces très importantes au cours desquelles ils seront soumis lors de leur mission. Et ça rend un peu malade. Mais écoute, on a tout compris. Je suis sûr que Dominique ressort de là en se disant qu'il avait tout appris. T'as tout appris, t'as tout compris. C'est bien, on apprend des choses. Non, c'est très agréable. Un dimanche matin, un petit cours, on apprend toujours, c'est cool. Voilà, ce qui est bien après, c'est qu'évidemment, tu sais, tout ça, c'est... En fait, dimanche matin, il n'y a pas grand monde. Mais après, on découpe. Et après, tout le monde regarde les séquences, y compris la tienne. C'est top. Ce sera formidable, bien sûr. Bon, merci d'avoir été avec nous. On rappelle quand même, on va remontrer l'affiche, parce que c'est quand même très important, parce que c'est mon podcast. Merci.
C'est gentil. C'est Brice qui sera dans Hedwig and the Angry Inch. Il y a de la musique, il y a du rock, c'est une comédie musicale incroyable. Ce sera à Avignon. C'est ça où, Avignon? Tu sais déjà le théâtre ou pas encore? Ce sera au théâtre du Rouge-Gorge, qui était un très beau théâtre de 200 places qui ressemble à un cabaret. Et les gens ont passé une soirée extraordinaire. Extraordinaire, j'en suis sûr. C'est formidable. Vous avez déjà fait les répètes ou pas encore? On commence. Oui. Ah, vous commencez. Écoute, t'embrasseras Brice pour moi. Je vais lui faire avec un bisou après l'émission, du coup, parce que c'est quand même génial qu'il soit avec toi. Et ça a l'air super. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci à toi, Alex. Bientôt dans plein d'autres choses, sûrement. En tout cas, le Mandalorian, c'est en ce moment sur Disney+. Allez-y. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Dominique. Plaisir, vraiment. Un grand plaisir. Je te dis à bientôt. Et normalement, c'est Laetitia qui est en passé, mais qui n'est pas encore là. Donc écoute, on va te dire au revoir quand même. Et merci à toi d'avoir été avec nous. Et puis, à très bientôt. À plaisir. À bientôt. Bye, bye. À bientôt. Ciao, merci. Au revoir à tous. Au revoir. Bon dimanche. Bon goût qui te fait. Ciao, ciao. Qui te dit au revoir. L'orthographe, c'est particulièrement important. Et franchement, j'ai peur qu'un jour, ça finisse mal, cette histoire d'orthographe. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe avec... attends, je vais un petit peu décaler mon écran, voilà. Putain, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec la loi du roi Boris. Vous allez être convaincus que la langue, c'est extrêmement important. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Le roi Boris III décide un jour de partir en guerre contre son voisin, qui n'est autre que son cousin, pour une raison toute simple, il s'ennuie. Mais dans sa déclaration écrite, il va commettre une faute d'orthographe qui va bouleverser la vie de ce royaume imaginaire. On imagine un royaume un peu étrange qui peut ressembler potentiellement à une dictature. Alors on va le vérifier ensemble parce que j'ai eu accès aux archives exceptionnellement et on va voir l'extrait de sa lettre dans laquelle il y a d'ailleurs une erreur, c'est-à-dire une déclaration de guerre dans laquelle... C'est à cause d'une simple faute d'orthographe que sa vie a été bouleversée, quoi. Tout à fait. Au départ, il s'ennuyait, ce roi, donc il déclare la guerre à son voisin, mais il commet une erreur d'orthographe fatale qui va précipiter encore plus sa dictature. Alors, on découvre donc, ce texte ensemble, on y va. Voilà, donc on va découvrir ensemble le texte. Alors, je ne vais pas le lire, mais il faut qu'on regarde un petit peu à travers ce texte. Et il y a un mot qui pose souci. Et alors, je te laisse regarder. Alors, je vais t'aider un peu. C'est à la fin, en fait. C'est à la fin de la lettre. D'accord. Et à la fin de cette lettre, on a un adverbe qui a mal été écrit. Alors, est-ce que tu peux le retrouver ? Évidemment, c'est pas avec un A. Exactement. Évidemment. Donc, en effet, il a affublé le mot, évidemment, d'un A au lieu d'un E. Mais comme il est extrêmement susceptible et orgueilleux, ça va le pousser à créer une loi totalement absurde, comme beaucoup de lois qui sont liées aux dictatures, c'est-à-dire qu'il va interdire dans le royaume, au quotidien, purement et simplement, la lettre E. Et les conséquences vont être terribles. Alors, ça doit te dire quelque chose. Je pense que sur le panneau suivant, on peut voir d'ailleurs la réparation de la faute. C'est alors, évidemment on y qui va, devient le point suivant parce que c'est évidemment voilà donc on voit la correction et alors cette faute rappelle une petite figure de style parce que dans la vraie vie, dans la vie littéraire et dans la vie de la création, on peut s'amuser à écrire un texte ou un livre en se privant d'une lettre de l'alphabet. Ça, c'est un petit jeu qui a été inventé par des petits farceurs qui s'appellent des oulipiens, on en reparlera bientôt. Et cette contrainte d'écriture se nomme le lipogramme, et c'est une œuvre littéraire, donc, ou un texte qui est privé d'une lettre spécifique. Alors, c'est plus intéressant, évidemment, quand on choisit une lettre qui est particulièrement fréquente. Il y a un roman français qui est écrit par Georges Perec, qui obéit à cette idée un petit peu tordue. Et cet ouvrage se nomme « La disparition ». On remarque que dans le titre, déjà, il n'y a pas la lettre « E ». Et donc, dans ce roman, qui fait à peu près 300 pages, plus de « E », rien, que dalle, puit, il a disparu. Et C'est une sacrée difficulté. Ah oui, mais c'est absolument formidable. Et cette contrainte, elle est absolument passionnante. Le livre lui-même est assez pertinent, mais vous imaginez quand même. 300 pages sans la lettre « E ». Si je vous mets au défi, je ne sais pas, comme ça, d'écrire un texte, de 10 lignes à peu près sans la lettre E, ça prend du temps. Alors 300 pages, c'est vraiment exceptionnel. Donc c'est une contrainte, mais ça devient une performance. Et il y a quand même certains avantages, notamment de chercher un vocabulaire qu'on n'a pas l'habitude d'employer. Donc c'est une très belle effervescence intellectuelle et créatrice aussi. Et donc ça, donc, si j'ai bien compris, quand on enlève une lettre, par exemple E, c'est un lipogramme du E. Quoi. Tout on à dit fait. Quoi on dit le lipogramme du E, qu'est-ce qu'on dit? Pardon?
On dit comment? L'hypogramme du E, l'hypo, qu'est-ce qu'on On dit? dit, on dit un, on peut dire un hypogramme du E, en effet, mais l'hypogramme, c'est le principe même de l'absence de cette lettre, si tu veux. Et alors, quand on regarde la loi du roi Boris, le titre lui-même, eh bien, c'est la même chose. Et quand les personnages parlent entre eux, eh bien, ils veillent à ne pas utiliser la lettre E, sinon le roi se fâche. Et comme le E est proscrit, on va devoir modifier des mots du quotidien. Donc, par exemple, les orteils, on ne peut plus utiliser le mot orteil, donc ça va devenir les doigts du sol. Ah bah oui. Voilà, donc c'est une expression qui n'utilise pas le E et qui remplace le terme orteil. Ou alors le nombre 12, j'aime beaucoup le nombre 12, qui devient le 10 plus 3 moins 1. Ah bah, ce qui est vrai aussi, ça marche. Voilà. Et enfin, la femme qui devient le patron à jupons. Là, on sent un certain machisme dans l'expression. Comme la femme contient deux E, tout d'un coup, le patron à jupons utilise toutes les autres voyelles. Alors, ce roi, évidemment, il n'est absolument pas sérieux. Il est plus proche de l'enfant capricieux que du monarque. Et on se doute qu'une partie de la population va entrer en résistance. Et alors, à ton avis, Alex, quel défi va se lancer cette partie de la population qui refuse la disparition de la lettre E? Ah ben, je ne sais pas, du coup, j'ai aucune idée, je ne sais pas du tout ce qu'ils vont faire, comment ils font. Eh ben, ils vont communiquer avec des mots qui contiennent uniquement la voyelle E, c'est l'inverse. Ah oui, ah ben là, ça doit être compliqué aussi, j'imagine. Et complètement. Alors justement, ce thème de la résistance est assez intéressant, et ça rappelle la notion de totalitarisme et de dictature, car on n'oublie pas que les dictateurs sont tout autant des enfants dangereux que des adultes imprévisibles. Alors, dans l'extrait qu'on va lire ensemble, Alex, eh bien, le conseiller du roi, Monsieur Moutrin, que je vais incarner, il découvre la fatale erreur en lisant la lettre et la confirme à Boris III, donc il lui confirme qu'il a fait une erreur, mais il prend des précautions absolument immenses pour ne pas fâcher le roi. Est-ce que tu es prêt pour la lecture? On y va? Un air de... Alors ça, c'est... Attention, la vie à la population, ce sera un petit peu plus tard. Là, c'est la surprise de la fin. Ouais. Okay. Donc, pour notre texte, un air de grand souci se peignit alors sur ses traits. Il se redressa, toussa plusieurs fois, poussa de profonds soupirs et la mort dans l'âme finit par prononcer. Effectivement, je crois que, évidemment, s'écrit avec un E. Mais sachez, sire, que j'aurais probablement fait moi-même la faute. Le roi Boris prit son premier ministre à témoin. Même le savant Monsieur Moutrin aurait fait la faute. De fait, c'est une absurdité de l'orthographe, s'échauffait celui-ci. Un défi à la logique. Pourquoi un E plutôt qu'un A? Ce E n'a aucune raison d'être. Il est ridicule. Voilà, sire. Ridicule, c'est le mot. Le roi se pinçait les lèvres. Il décréta. D'ailleurs, d'une façon générale, je trouve que le E est une lettre un peu ridicule. « Je l'ai souvent dit, Majesté, » confirma M. Moutrin avec force. « C'est une lettre qui pose régulièrement problème. Et comment dire, à mon sens, elle est trop maniérée, trop féminine, je dirais même perfide. La preuve, avez-vous noté qu'elle forme les mots « Ève »,« tenter »,« serpent » et « péché » En tout cas, et à coup sûr, elle est moins essentielle que les autres voyelles. » Donc vous voyez, ce conseiller, M. Moutrin, qui prend des précautions absolues pour faire comprendre au roi qu'il a fait une erreur. Mais alors, je parlais d'archives tout à l'heure, j'ai retrouvé un autre document, le décret du roi qui interdit la lettre E dans le royaume. Et vous allez voir que dans ce texte, donc c'est l'avis à la population, nous n'avons pas la lettre E, nullement la lettre E. Voilà, donc on peut regarder ce texte ensemble, hein, sans être contraint de le lire, et on voit que cette lettre E a totalement disparu, avec des petites contorsions parfois, comme on peut l'observer. Donc aucune lettre E. Donc ce principe, ça s'appelle l'hypogramme. Ah non, c'est pas facile à faire. Ce roman est formidable parce qu'il possède un humour féroce. On se sent un petit peu moins seul avec ses fautes d'orthographe parfois. Ça nous prouve aussi que les rois peuvent se tromper. On découvre le principe du lipogramme qui est vraiment amusant. Et puis surtout, c'est illustré par une dessinatrice qui s'appelle Catherine Meurice, hein, qui est devenue récemment une académicienne des beaux-arts. Donc elle, avec tout son humour et son talent, elle croque les personnages qui sont tous plus farfelus les uns que les autres. Et alors j'ai demandé à certains d'entre vous de faire des devoirs cette semaine et de me fournir des textes sans la lettre E et
je crois que nous avons des petites surprises. Ah bah, ils ont fait les textes, hein, tout le monde a fait les textes, hein, on a tous travaillé, oui, regarde. Oui. On a fait les textes sans les E. Et voilà, alors nous avons Nicolas Lemoine, célèbre professeur de mathématiques. Bah, qui n'est pas avec nous parce que ça ne marche pas la connexion, mais... Alors, je vais la lire pour lui. Nous aimons sortir au port sur un quai muni d'un ballon à la main, mais aussi voir nos chats miaulant, nos lapins dormant dans nos champs. Pour finir, nous faisons un rond, car nous avons nos maths à finir. C'est beau, il y a presque des rimes et tout ça, hein. il a bien travaillé. Ça frôle la poésie, c'est assez exceptionnel. Ah non, c'est très très bien écrit. Bravo Nicolas, on va l'applaudir. Bravo Nicolas Lemoine, bravo. Bravo Nicolas. Attention, je vais parler anglais. I will always go to Britain for a good holiday. I love having fish and chips. If I'm away, why don't you go and stay? C'est quand même assez formidable. Pas de lettre E dans ce texte non plus. Bah, bravo aussi Arwan, je l'applaudis aussi. On peut l'applaudir. Donc, il y en a qui ont fait leur travail quand même. Et puis, alors là, un texte d'Alex Good, c'est quand même un de mes favoris, parce qu'il est tellement moderne. Veux-tu le lire d'ailleurs? Bah oui, je le dis. Moi, mon kiff, it's Las Vegas. Tu vois. On y fait moult abdos au sport, par condition au top, sans avoir à voir la saison. Et on va au show dingo, mais pour tout ça, il faut l'anglais. Incroyable. Alors moi, j'ai écrit un texte aussi, c'est... voilà, c'est, y a pas c'est ça marche très bien. Donc... Puisqu'il n'y a pas de... Et voilà, c'était le lipogramme. Eh bien, écoute, on a tout appris sur le lipogramme. Attention, nous sommes partis pour les matchs. Je trouvais plus, mais parce qu'on a changé l'ordre. Alors, les maths, cette semaine, les amis, vous allez multiplier les problèmes, je crois. Hein. C'est ça l'idée. Hein. Oui, on va multiplier et par 10, par 100, par 1000, par, vous allez voir, énormément. Mais surtout, est-ce que vous avez déjà entendu donc, cette expression à savoir décupler ses forces ou encore elle le fait, mais au centuple? Ah bah oui, toi d'ailleurs, quand tu mets ton casque, tu as la force avec toi. C'était magnifique. Hein. Alors, tu devrais le remettre, ton casque, pour faire le cours. Parler comme Dominique avec un casque. Il manque juste l'audition quand j'ai le casque. J'entends plus rien, du coup, je vous entends pas. Ah, t'entends plus rien, zut, c'est dommage, ça te va très bien. Ceci dit, j'ai perdu une oreille. On voit, il y a un petit trou. Donc, voilà, mais c'est toi qui l'as fait? Comment t'as fait ce casque? Il est magnifique. Ah, je vous apprendrai. C'est juste du papier. Mais c'est toi qui l'as fait? Oui, tout à fait. On voit à l'intérieur. T'as démultiplié les polygones, en fait. Essayer de prendre la voix. C'est génial. Mais je suis moins bon. Bon, c'est bref. Donc, décuplé, etc. On va voir que ce sont des expressions mathématiques qui correspondent à des opérations bien précises. Et notre cours portera justement sur cette notion de décuple, centuple. Il y a même milluple. Hein, on peut utiliser ces expressions, même si elles ne sont pas dans la vie courante. Et on va voir donc comment s'effectuent en mathématiques ces multiplications par 10, par 100, par 1000. Mais avant tout, il y a quelque chose dont on ne parlera absolument pas. C'est que la virgule ne se déplace pas. S'il vous plaît, la virgule ne se déplace jamais. Alors, je sais que ça va vous paraître bizarre, qu'on a sûrement dû vous apprendre que la virgule se décale de un rang de rang, mais la virgule est toujours coincée entre le chiffre des unités et le chiffre des dixièmes. Donc, attention, c'est interdit. On ne décale pas la virgule. J'insiste fortement, parce que mathématiquement, c'est faux. Mais avant de vous expliquer comment fonctionnent les multiplications, on va rappeler les bases. Et justement, notre système pour compter, lui, ce qu'on appelle la numération, il est basé sur un système, donc en base 10. C'était un système que l'on dit décimal. La semaine dernière, d'ailleurs, on avait vu sexagésimal, c'était les bases 60. Autrement dit, on compte simplement en paquet de 10. Et c'est bien pratique, puisqu'on a nos 10 doigts, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi aussi ce système-là. On va voir aussi donc qu'on a donc des nombres entiers. Ça, les nombres entiers, c'est facile, c'est ceux que l'on compte sur les doigts de la main. Je vois que j'ai mon truc qui bug, mais c'est pas grave. Voilà. Il y a trop de chocolat à Pâques déjà. Hein. Ouais, c'est du chocolat de Pâques. Voilà. Donc on est sur la base 10, pardon. Donc là, c'est les nombres entiers, ça on arrive à les compter. Donc encore un chocolat de Pâques, il nous en reste plein à manger, donc faut en profiter. Et puis parfois, donc on n'a pas que des nombres entiers, on a ceux que l'on est obligé malheureusement de partager, donc notamment des barres de chocolat qu'on doit partager en deux. Là, on aura ce que l'on appelle un nombre décimal. Ce sont des unités que l'on a fractionnées, que l'on a coupées. Et voici justement donc un tableau sur les nombres donc décimaux et entiers. Donc ça, c'est un tableau que vous devez, je pense, reconnaître. Et si d'ailleurs, à l'intérieur, j'essaye de placer le nombre 41,57, eh bien, on voit que j'ai 4 dizaines, j'ai une unité, j'ai donc ici mon séparateur décimal, ma virgule, 5 dixièmes et 7 centièmes, etc. Donc ce nombre, c'est
41 unités et 57 centièmes. Donc, la partie entière, c'est 41. Ça, on peut les compter sur les doigts. Et à votre avis, la partie décimale, du coup, c'est combien? Ah bah, c'est là où il ne faut pas faire d'erreur. Exactement. Voilà. Attention, alors Nicolas, au piège. La partie fort, décimale. C'est quoi, ton avis? Ah non, non, c'est pas possible. Là, vous, c'est trop dur. Ça doit être ça, oui, à peu près. Oui, je pense que c'est ça. Laetitia, t'as l'idée? Non, pas loin. Tu n'en es pas loin. Je pense que lui aussi a perdu d'un coup le coup. Non, moi je pense que c'est 0,57. Et voilà, bien, bien joué Alex, tu t'es pas trompé. En général, on fait apparaître la partie décimale comme seulement ce qui est à droite ici, 57. Mais ça ne peut pas être 57 puisque un nombre est composé de la somme donc de sa partie entière et de sa partie décimale. Et si on me dit 41 c'est partie entière, 57 partie décimale, quand on ajoute les deux, on ne retrouve pas le nombre. Non, la partie décimale c'est simplement 0,57. C'est justement ce que l'on ne peut pas compter sur ses doigts. Et vraiment, ces tableaux et ces parties entières et décimales, ça va être super important pour comprendre. Vous allez voir, le truc, il est très simple par la suite sur la multiplication par 10, par 100, par 1000. Et on voit d'ailleurs qu'il y a des répétitions. Il y a unité, dizaine, centaine, unité, dizaine, centaine. On va voir avec Nicolas pourquoi c'est utile d'avoir ces paquets de trois nombres. Ouais, en fait, on va voir que ce tableau, il permet de lire les nombres comme a dit Cyril, mais il permet aussi de lire des nombres beaucoup plus grands. Si je prends, par exemple, ce nombre-là, il n'est pas évident à lire du premier coup. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 567. Voilà, pour le lire, on ne peut pas, du premier coup d'œil, le lire. On est obligé de l'analyser un petit peu ce nombre. Tout à fait. Si on le place dans notre tableau, d'un seul coup, hop, il devient beaucoup plus facile à lire, en fait. Et ce tableau, en fait, qui regroupe les diverses classes, il nous permet aussi de lire facilement les grands nombres. Et donc, ce nombre, il va se lire 23,567,897 unités et 64 centièmes. Et donc, souvent, on voit l'écriture comme ça, en fait. On sépare par paquet de 3, en fait, et on sépare le nombre par classe. La classe des unités, les 3 premiers, la classe des milliers, la classe des millions, et on pourrait aller au milliard, etc. Ouais, donc, les Américains, ils mettent des points. De séparer par classe, ça permet de rendre plus lisible. Ils mettent des points. Ouais. C'est déstabilisant d'ailleurs, même dans tous les programmes informatiques, entre point, virgule, c'est un peu compliqué. Ah, les Américains mettent des petits points pour séparer, mais comme nous, le point, ça peut être notre virgule. Parfois, nous, en français, on peut s'en mêler. C'est ça. Et puis, nous, voilà, par exemple, si on devait ajouter 3 unités ici, on arriverait à 10 unités, il faudrait rajouter une dizaine. Comme on aurait dit dizaine, il faudrait rajouter une centaine. Donc, ce tableau aussi nous permet de voir comment est-ce qu'on construit les nombres décimaux. Alors, on va essayer maintenant de voir ensemble comment, à l'aide en fait de ce tableau en partie, on réussit à multiplier ou à diviser par des puissances de 10. Alors, ce qu'on appelle les puissances de 10, c'est fois 10, fois 100, fois 1000, ou divisé par 10, divisé par 100, divisé par 1000. Alors, en fait, c'est assez simple, mais pour que ça glisse tout seul, justement, il va falloir qu'on se concentre un petit peu. Quand on multiplie un nombre par 10, en fait, on augmente le rang du chiffre du nombre, des chiffres du nombre. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je multiplie par 10, mes unités vont devenir dizaines. Et comme ça, on va décaler chacun des chiffres du nombre. Et pour ça, on va utiliser un outil qu'on aime bien en classe. C'est ce qui s'appelle le glisse-nombre. Alors, ça ressemble à ça, un glisse-nombre. Donc, c'est... J'ai jamais vu ça de ma vie. Alors, tu vas voir comment ça fonctionne. C'est magique. C'est assez magique. Par exemple, imaginons que j'ai une fête et je veux que chaque invité est 18,5 bonbons. Bon, j'ai pris un nombre décimal, 1,5, c'est vrai qu'on essaie normalement d'avoir des nombres entiers. Donc ça donne cette écriture-là. D'accord. Bon, imaginons que je veuille le multiplier par 10. Je veux avoir 10 fois plus, 10 fois plus d'invités. Donc, il va falloir que je décale mon chiffre des unités, va devenir chiffre des dizaines. Et donc le glisse-nombre, ça permet juste de coulisser le nombre et quand on multiplie par 10, ça devient 185. Ah oui, donc, c'est facile. 18,5 multiplié par 10, on a décalé le nombre, et la virgule n'a pas changé, comme a bien dit Cyril, et on obtient 185. Alors, décalé. C'est encore plus utile si on multiplie par des très grands nombres. Imaginez que je multiplie par 1000. Si je multiplie par 1000, mon chiffre des unités ici, il doit devenir chiffre des milliers. On doit aller jusque-là. Donc, je vais décaler doucement. Hop, par un système de coulissage, hop, on arrive au chiffre des milliers. Et là, catastrophe, j'ai des espaces vides ici. Et les maths, c'est comme partout, on a horreur du vide. Donc quand il n'y a rien dans une unité en maths, on rajoute des zéros jusqu'à l'unité.
Et donc on obtient que 18,5 multiplié par 1000, j'ai même oublié, multiplié par 1000, c'est 1 de plus encore. Non, c'est là, c'était bon. Non, ça fait donc bon, 18 500. Donc voilà, ça fait 18 500. Donc quand je multiplie par 1000, les espaces vides, je les remplace par des zéros. Donc 18,5 multiplié par 1000, ça fait 18 500. Et donc du coup, ce glissement permet de facilement voir le coulissage, le fait que la virgule ne bouge pas. Et avec Cyril, on va voir l'importance dans l'écriture décimale justement de ce chiffre zéro qui est apparu assez tard en fait. Ouais, je me permets une toute petite digression. Dans l'histoire des mathématiques, ça a été très compliqué de concevoir qu'il fallait écrire un nombre pour ne rien représenter, parce que 1-0, ça représente le rien. Et c'est dans la culture indienne, a priori, qui est parvenue la première. En tout cas, l'un des plus anciens écrits qui mentionne ce chiffre serait de Brahmagupta, en moins 600 avant Jésus-Christ. T'es pas mal sur l'accent, t'es bien sur l'accent, je suis très impressionné. J'ai travaillé. J'ai eu du temps ce matin pour travailler un petit peu jusque dans... Donc il s'est diffusé dans les plus grandes universités arabes de l'Antiquité. Mais ce rien ne représente pas le vide, parce qu'on verra qu'en mathématiques, on fait bien distinctement la différence entre les deux, entre le rien et le vide. Il y a un symbole pour les deux. Mais revenons à nos moutons, enfin en tout cas à nos bonbons, que Nicolas essaye de distribuer depuis tout à l'heure. On a vu la multiplication, on va terminer par la dernière opération, donc la division. Par exemple, si on me demande de diviser 21,4 par 100, donc je répète, la virgule ne se déplace pas. Donc je reprends exactement le même tableau que Nicolas tout à l'heure, donc j'ai pris mes 21,4, donc j'ai bien une unité, sauf que si je divise par 100, mon chiffre des unités devrait être 100 fois plus petit. Donc mon chiffre des unités doit venir se glisser, c'est à l'envers, dans la colonne des centièmes. Donc on y va. On utilise le petit glisse-nombre et donc je vais faire déplacer mon chiffre des unités, mon 1 de base, dans les centièmes. Et donc on voit qu'on a 2 dixièmes, 1 centième, 4 millièmes, mais on n'a pas d'unité. Et comme Nicolas l'a précisé, donc la nature a horreur du vide, il nous faut absolument un chiffre des unités. Et donc ça nous donnera en effet 0,214 lorsque l'on aura divisé et qu'on aura rajouté, hop, voilà, ce petit 0 donc, qui est... très utile et vraiment très important. En gros, donc on voit que vous dites, c'est la virgule se dépasse pas, mais les chiffres se déplacent quand même autour de la virgule. Exactement, c'est le rang des chiffres. Quand on multiplie par 100, on n'a plus une unité, mais on a 100 fois plus d'unités. Donc c'est vraiment la position du chiffre qui va changer. D'où ce système de numération par classe avec unité, dizaines, centaines, etc. Donc ce petit instrument, il est super pratique. Hein. On vous invite vraiment à l'essayer, surtout si vous êtes dans les apprentissages avec vos enfants, de la multiplication par 10, par 100, etc., et même de la division. Et d'ailleurs, même pour les parents, hein, ce truc de dépasser la virgule, attention, c'est faux, hein, un peu comme les équations, on avait vu, quand ça passe de l'autre côté, ça aussi, mathématiquement, c'est totalement faux. Donc, c'est ce qu'on appelle un glisse-nombre. Et vous pourrez d'ailleurs le retrouver dans les commentaires de la vidéo, vous pourrez le télécharger avec voilà, ce petit truc qui glisse à l'intérieur et qui se déplace, donc simplement avec une feuille de papier et un ciseau, et puis voilà, vous arriverez à le construire. En tout cas, on espère que maintenant, on aura réussi avec Nicolas et ce glisse-nombre, et puis ses petites propriétés, à décupler vos forces mathématiques pour enfin arriver à réussir ces opérations pour les multiplications par 10, par 100, par 1000, etc. Eh bien, c'était très clair, les amis, mais de toute façon, enfin, comme toujours, j'ai envie de vous dire. Hein. Comme toujours, très clair, on y est arrivé quand même avec ce petit problème d'ICAM, les CAM, c'est le logiciel qu'on utilise, mais on y est arrivé, merci, je crois que justement, on devait vous démultiplier, hein, Nico, toi notamment, pour ta vie perso, tu veux démultiplier, donc on va te faire des gros bisous, et te donner rendez-vous la semaine prochaine, et on va enchaîner tout de suite avec Laetitia, qui elle est prête pour son cours d'animaux, j'espère. Gros bisous Nicolas, à très vite. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Laetitia, t'es prête pour les animaux ou pas? Bien sûr, toujours. Eh bien, écoute, nous sommes partis. On y va, c'est parti pour les animaux. Alors aujourd'hui, Laetitia, je pense que cette chronique va faire des malheurs sur les quand on va parler des replays de l'émission ou des choses qu'on va voir partout. Vous avez des chats? T'as un chat, toi, Cyril? Et toi, Nico, vous avez des chats ou pas? Non. Oui. Moi, j'en ai eu 3, et vous savez que je suis fan de super-héros, donc ils avaient tous des noms de super-héros. Il y avait Tornade, Callisto et Diablo, et c'est tous des X-Men, et d'ailleurs, ils se prenaient plus pour Wolverine que pour les autres X-Men visités, parce qu'ils avaient leur griffe, cric, 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 ils griffaient tout ce qui traîne, et même ce qui ne traîne pas d'ailleurs, comme les canapés ou les meubles, mais on va découvrir que c'est normal, hein, Laetitia, c'est ça? Exactement, exactement, ça c'est vraiment, quand on a un chat... C'est vrai qu'on voit que ses côtés positifs au début, c'est-à-dire il ronronne, il est caressant, et puis après, il s'attaque à nos meubles.
et en particulier au canapé en cuir tout neuf qu'on vient d'acheter et qu'il customise, on va dire, hein, voilà, et qui, voilà, il met ses cuirs dessus et on se dit, mais c'est pas possible, pourquoi fait-il ça? Est-ce qu'il m'en veut? Est-ce que c'est une vengeance? Que dois-je faire? Et ça, c'est quotidien. C'est une question qu'on me pose presque tous les jours. Qu'est-ce que je dois faire pour rattraper mon canapé et pour que mon chat ne fasse pas ses griffes sur le canapé? Alors, vous savez que, à la différence des États-Unis, en Europe, c'est interdit de ce qu'on a, on appelle ça l'égriffage, c'est-à-dire d'enlever les griffes du chat. Il ne faut pas faire ça, c'est très mauvais pour l'animal. Ben, c'est très mauvais, c'est de la mutilation, c'est de la maltraitance pour moi. Mais c'est interdit en France. Hein. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis, par exemple, ou au Canada, certaines personnes le font pour éviter que le chat fasse les griffes sur le canapé. Alors, pourquoi il fait ses griffes, ce chat? Eh ben, parce que il le fait comme tous les félins. Tous les félins font leurs griffes. Alors, c'est sûr que vous n'avez pas de lion chez vous pour qu'il fasse les griffes sur votre canapé. Mais dans la nature, les lynx, comme vous voyez sur la photo, le lion et maintenant le chat, font leurs griffes sur les arbres. Et je pense que vous avez tous vu ça dans les documentaires animaliers. Donc, et vous avez même vu d'autres animaux, comme par exemple l'ours aussi. L'ours fait ses griffes aussi sur les arbres. Alors, pourquoi fait-il les griffes? Eh bien, c'est normal et c'est un besoin. Alors d'abord, c'est pour affûter les griffes. Ah, bien sûr, un petit peu comme nous, ils manicurent des griffes, hein, parce qu'il faut quand même que l'on se fasse des griffes. Alors eux, ils font ça bah, sur les arbres, par exemple, sur les meubles. Et il faut savoir aussi que les chats, non seulement ils font leurs griffes, mais ils enlèvent aussi ce qu'on appelle les étuis cornés. C'est-à-dire que quand ils renouvellent leurs griffes, les chats, on a un étui, une seconde griffe, si vous voulez, qui pousse sous la première griffe. Et du coup, on a des comme des mues de griffes qu'il doit enlever. Et c'est vrai qu'en faisant ses griffes, eh ben, il arrive à enlever ses étuis cornés. Mais il n'y a pas que ça. Et peut-être que vous le savez, il faut aussi, avec ses griffes, marquer le territoire. Et ça, c'est ce que font tous les félins dans la nature. Ils marquent leur territoire en faisant leurs griffes sur les arbres. Mais comment ça, ils marquent? Parce qu'on ne sait pas forcément que la griffe, c'est la griffe de pastis ou la griffe de tornade chez moi. Alors, il y a deux choses. D'abord, il y a un marquage visuel. Alors ça, vous l'avez bien compris, puisque vous le voyez. Donc déjà, il a obtenu le but, c'est qu'on voit qu'il marque son territoire, puisqu'il fait de belles rayures sur votre canapé. Mais en même temps, on a ce qu'on appelle un marquage olfactif. C'est-à-dire que au niveau des coussinets, il y a des glandes qui sécrètent des odeurs et surtout ce qu'on appelle des phéromones chez le chat ou chez les félins. Et les phéromones, ce sont des substances olfactives qui sont déposées sur le support qui griffe. Alors, si vous regardez bien le comportement du chat, quand il griffe, il fait comme ça, donc il griffe, et après il appuie comme ça ses coussinets, vous voyez? T'as raison, mais quand tu dis ça, c'est vrai. Je l'ai vu faire ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben là, et il parfois, marque. Il le fait sur moi aussi, ça arrive, quand il fait des papillons. Et voilà, c'est un peu comme vous, si vous vouliez mettre de l'ADN, et ben lui, il met sa carte de visite. Et sa carte de visite, ce sont des phéromones qui sont sécrétées au niveau des coussinets. Et ces phéromones, ce sont des substances olfactives très fines qui restent dans l'environnement et qui ne sont détectées et connues que par les autres félins. C'est-à-dire, vous ne les sentez pas. Heureusement d'ailleurs. D'accord. Voilà. Donc, il dépose ces phéromones. Et d'ailleurs, les phéromones, le chat, il en sécrète tout le temps et il a beaucoup de glandes qui sécrètent des phéromones sur son corps. On a au niveau des joues. Vous savez quand le chat, il se frotte comme ça? Oui. Oui, ça le fait tout le temps. Ouais. Il dépose des phéromones, justement. Il dépose sa carte d'identité. Quand il les dépose sur vous, il vous dit, bah, toi, tu fais partie de la famille et c'est pour ça que je me frotte à toi. Tu m'appartiens quelque part. Et il dit qu'on fait partie de son territoire. Et il, voilà, bah, c'est un peu son territoire, mais c'est sa famille, c'est pareil pour lui. Hein. Et pareil, après, il te marque. Au meuble aussi, pareil, ça veut dire qu'il balise son territoire. Et qu'il alors, les phéromones, c'est pour dire aux autres chats, c'est chez moi, mais c'est aussi pour se rassurer. C'est-à-dire que quand un chat sent son odeur sur le meuble, il se dit, je suis chez moi, je suis rassuré. C'est pour ça que quand il déménage dans un autre endroit et qu'il n'y a plus ses phéromones sur les meubles, il se sent déboussolé. Voilà. C'est très drôle, monsieur. Moi, j'ai un lapin aussi, et qui se promène aussi en liberté. Et chacun leur tour, quand mon lapin passe mettre son odeur, le chat repasse derrière, puis le lapin, et c'est la guerre toute la journée.
C'est vrai. Parce qu'il y a le geste aussi. Le lapin, lui, il frotte son manteau. Oui. Parce qu'ici, il y a des glandes au niveau du lapin qui sécrètent des phéromones de lapin pour marquer son territoire. Donc, c'est pareil, vous voyez, il y a beaucoup de... Les chiens aussi marquent leur territoire. Il y a des phéromones dans les urines. Quand ils frottent aussi leur derrière, il y a des phéromones. Voilà. Donc, c'est un monde d'odeurs qu'on ne connaît pas, en fin de compte, les phéromones, et qui est très important pour nos animaux, puisque ça permet une communication entre eux. Et donc, quand le chat marque son territoire, donc il dépose tout ce qui fait des phéromones, et il les dépose à un certain moment. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà observé les chats faire leurs griffes, il y a des moments dans la journée où il fait ses griffes. Alors d'abord, c'est au réveil. Alors au réveil, je pense que vous avez tous vu ça, le chat commence à s'étirer. Ah ben il dit tiens, je vais m'étirer sur le canapé. Oui. Et il fait en même temps son stretching, parce que quand il fait ses griffes, il étend ses bras comme ça. Il fait son stretching. Alors on a aussi des périodes où il griffe beaucoup son environnement, c'est quand il est en activité intense. Et ça, c'est le matin ou le soir, ça, c'est tous les chats. Le matin ou le soir, vous avez souvent aussi le quart d'heure d'activité ou de folie où le chat court dans tous les sens et à un moment, hop, il s'arrête et Ça arrive tout le temps. C'est un peu flippant, ça, d'ailleurs. C'est un peu flippant. Ben, ça veut dire, voilà, il marque son territoire et il dit, ben voilà, ici, c'est chez moi. Quand il sort dans le jardin aussi, il fait ses griffes. Pourquoi? Parce que quand il sort dans le jardin, il y a d'autres chats qui sont passés dans le jardin. Donc, lui, il va au premier arbre et il fait ses griffes en disant, hey, c'est chez moi ici, hein. Faut pas passer dans le jardin. Donc ça, c'est son mode de communication. Et puis, il y a encore d'autres occasions où il fait ses griffes. Comme par exemple, s'il va, s'il vous voit, des fois, il fait ses griffes, et je sais pas si vous avez eu ça aussi, il vous regarde, l'air de dire, hey, t'as vu? Je suis en train de faire le canapé, là. Et en fin de compte, il demande d'attention. C'est-à-dire qu'il sait que quand il a les griffes sur le canapé, hop, vous vous occupez de lui. Alors, c'est un peu vrai. Vous l'engueulez, mais vous, gentiment, mais au moins vous le regardez. Et c'est ce qu'il veut dire. Il y a beaucoup de chats qui griffent le canapé pour que vous les regardiez. C'est quand même assez pervers. Hein. Et comme puis, il y a des chats qui griffent le canapé parce qu'il y a le chien qui est sur le canapé. Or, le canapé, c'est là où ils dorment. Donc, ils aimeraient bien dire au chien, va-t'en. Donc, ils griffent le canapé. Ou quand ils rentrent dans une pièce, ils voient un étranger, par exemple, une personne que vous invitez chez vous. Ils se disent, oh, il y a un étranger. Oh, je vais marquer pour dire que c'est chez moi quand même. Hein, c'est pas chez lui. Et puis, il y a aussi des chats qui griffent parce qu'ils s'ennuient, tout simplement. Ils cherchent une distraction, donc ils griffent. Ou les chats anxieux. Si on sait que les chats anxieux, quand ils sont très anxieux, eh ben, ils marquent vraiment leurs griffes partout, sur le papier peint, sur les meubles, sur le canapé. Et là, ça devient pathologique quand même. Hein. Voilà, quand on est dans l'excès, il faut quand même se demander si le chat n'a pas un problème et s'il n'est pas stressé, anxieux et s'il ne faut pas l'amener chez le vétérinaire. Donc, vous voyez, même griffer le papier peint, ça peut être le signe quand même d'une maladie. Donc, il faut se méfier. Alors maintenant, pourquoi le canapé, vous allez me dire? Parce que c'est vrai que souvent, c'est le canapé. Alors, il y a d'abord parce que le canapé, il y dort. Mais vous vous asseyez dans le canapé. Donc, il y a des odeurs étrangères. Donc, ça, il se dit, il y a trop d'odeurs étrangères, il faut que je le marque de mon odeur, donc je griffe. Voire même, je fais pipi dessus des fois, hein, quand il est vraiment, quand il vraiment il est déboussolé. Ça, c'est pas terrible. Donc, c'est un lieu de sieste. Et puis alors, faites attention, parce que le canapé, c'est aussi beaucoup de tissus qu'il adore. Comme vous savez, les tissus en velours, ça, ils adorent ça, parce que ça prend bien les griffes. Le cuir, ben, c'est génial comme chose à griffer, bien entendu. Et puis, attention aux rayures. Pourquoi les chats sont attirés par les rayures? Ben parce que si vous avez un canapé qui est déjà rayé, ben ça veut dire qu'un autre chat est venu. Parce qu'il y a une communication visuelle. Et les rayures, ça l'attire. Tout comme les papiers peints à rayures. Faites très attention. Ça, les chats adorent griffer les papiers peints à rayures. Parce que ça veut dire qu'il y a dingue, j'ai jamais su ça. Je découvre ça. Donc faites très attention, ne prenez pas de canapé à rayures, s'il vous plaît, si vous avez un chat, parce que ça, c'est un pouce au crime, comme on dit. Hein. Donc, on fera ça avec joie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter justement qu'il s'en prenne à votre canapé? Le punir? Non. Ah ben non.
Vous savez que le chat ne connaît pas la punition, il ne sait pas pourquoi vous le punissez, il n'y a pas de rapport de force entre les chats. Donc, plus vous allez punir, plus il va stresser, et plus il est stressé, plus il va... griffer. Griffer, voilà. Donc, plus vous allez punir, plus il va griffer votre canapé. Donc, ça sert à rien. On ne punit pas ni verbalement un chat. Bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On l'arrose. Alors, la première chose à faire, c'est lui couper les griffes, parce que la première fonction du griffade, des griffades, on appelle ça des griffades, c'est quand même de faire ses griffes. Donc, vous pouvez lui couper les griffes régulièrement. Vous avez, alors, vous voyez, j'ai mis des petits dessins que vous retrouverez sur un site qui s'appelle Cat and Dog et qui est très bien fait et où il vous indique comment justement couper les griffes. Alors, vous prenez un coupon, là, tout simplement, vous appuyez sur le bout du doigt. Hop, et tout ce qui dépasse et qui est blanc, vous coupez. Voilà. Il faut lui apprendre tout petit, le chat, à se faire couper régulièrement les griffes. Ça diminue quand même les traces qu'il va laisser sur votre canapé. Mais pas que, parce que comme vous le savez, c'est aussi pour marquer son territoire. C'est naturel chez lui. On ne peut pas l'empêcher de faire ses griffes. Et bien, dans ces cas-là, il faut mettre des griffoirs partout chez vous. Alors, pas un griffoir qu'on met derrière la porte parce que c'est moche. Il faut en mettre bien en évidence dans les pièces où il se repose, puisqu'il aime bien griffer quand il se lève. Il aime bien griffer là où il dort. Donc, il faut mettre les griffoirs juste à côté du canapé, jusqu'à côté du lit, par exemple, ou d'un fauteuil, etc. Et il faut les mettre bien en évidence dans les pièces, dans l'entrée aussi des pièces, puisque quand il rentre dans une pièce, des fois, il voit quelqu'un dans la pièce, donc il veut griffer. Il faut les mettre bien en évidence. Moi, j'avais un arbre à chat géant, moi, chez moi. J'avais un grand arbre à chat, c'est génial. Parce que moi, j'en avais trois. Ben voilà. Donc, j'avais l'arbre à chat, il était gigantesque, il s'amusait dedans, il se mettait chacun des endroits différents. L'arbre à chat, c'est quand même l'accessoire indispensable du chat d'appartement. Il faut absolument qu'il ait un arbre à chat. L'arbre à chat, c'est d'abord un arbre, il aime se percher, c'est un animal qui aime se percher et regarder ce qui se passe dans l'environnement. Et ce qu'il y a de bien avec l'arbre à chat, c'est qu'il peut y dormir et il y a en plus du sisal qui lui permet de faire les griffes, puisqu'il aime faire ses griffes au réveil. Donc, il faut bien entendu lui mettre un arbre à chat. Donc, ça, des griffoirs partout, déjà, ça l'évitera d'aller sur le canapé. Exactement. Et vous pouvez attirer le chat sur le griffoir en frottant une olive dessus, si vous avez, parce qu'ils aiment bien l'odeur. Une olive? Une olive, oui, vous frottez sur... vert ou noir? Voilà, n'importe. Il faut que ça ait l'odeur de l'olive. Le kalamata. Ou alors de la cater aussi, vous savez, c'est l'herbe à chat sèche que l'on peut mettre aussi sur les griffoirs. Ça va l'attirer et comme ça, il sera tenté d'aller griffer. Ah bah Cyril, il va passer son après-midi à refaire toute la maison à l'olive. Je vais frotter l'olive et puis je vais enlever toutes les lignes que j'ai chez moi. Parce que t'en as beaucoup. Bah, j'ai une maison marinière, alors voilà. Ah bah voilà, ceci explique cela. Ah bah oui, ce sont pas des lignes verticales, c'est quand des lignes sont verticales. C'est une verticale qui rentre vous. C'est les... Mais tu dis qu'il faut aussi, on peut quand même aussi protéger le mobilier tout simplement. Mais bien sûr, vous pouvez protéger. Alors, bah, par exemple, sur l'accoudoir d'un meuble qui griffe, vous mettez un plaid, il ne va pas griffer un plaid. Vous pouvez mettre du papier bulle, vous pouvez mettre aussi... Oui, c'est vrai que le canapé papier bulle, je viens d'avoir la vision du canapé papier bulle. Là, je me dis, c'est un truc. Tu t'assois, ça pète. T'as des lettres. La télé. Tu feras ces grilles sur le papier bulle. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire péter les bulles. Et ça, exactement. Donc, ça, vous pouvez mettre du scotch double face aussi sur le canapé. Parce que quand il va griffer, il va se coller et il ne va pas aider. Sinon, quand on va s'asseoir, on va. Donc, voilà, bien sûr, mais il fait pas sur le ciel, il fait sur les accoudoirs, hein, il fait pas sur là où vous vous asseyez. Enfin bon, ça fait un joli canapé quand même en papier bulle. Vous pouvez aussi mettre près de votre canapé des cactus, des grands cactus, des plantes. Comme ça, il n'aura pas accès au canapé, à l'accoudoir, il n'ira pas faire ses bulles, ses griffes dessus. Donc voilà, vous avez des petites choses comme ça que vous pouvez faire pour éviter qu'il s'en prenne à votre canapé, bien entendu. Et puis, très important aussi, il va falloir jouer avec lui. C'est-à-dire que quand vous le voyez arriver et puis mettre la patte sur le canapé, alors bien sûr, on ne le punit pas, mais vous pouvez aussi le distraire, faire en sorte, par exemple, de lui lancer un jouet juste à côté pour qu'il s'intéresse au jouet et non pas au canapé. Ça, c'est important. Vous pouvez aussi augmenter les jeux avec lui parce que, comme je vous disais, quand un chat s'ennuie, il s'en prend au canapé. Donc, jouer avec lui. Un chat, on y joue matin et soir, 10 minutes minimum.
On doit jouer avec son chat, c'est important, surtout s'il ne sort pas, puisqu'il n'a pas les activités à l'extérieur comme la chasse, etc. Voilà. Eh ben merci beaucoup, Laetitia, c'était extrêmement clair. On a tout compris. Cyril va refaire toute la déco de chez lui, hein, Cyril. Voilà, je vais tout refaire. Je mets du top, je vais tout emballer en papier bulle. Et on va être bon. Va être bon. Et parti, moi, définitivement, je ne prendrai pas de chat. Oh, mais tu bébés, tu devras avoir un petit animal, c'est très bien les petits animaux. Tu sais, moi, j'adore. Mais j'adore les toutous, maintenant. Moi, je suis fou des toutous. Et ce qui est drôle, c'est qu'alors mes chats étaient avec l'ex-personne qui partageait ma vie et ils sont toujours en vie aujourd'hui. Il y en a deux sur trois qui sont en vie et ils ont 20 ans, tu te rends compte? C'est possible ça, Laetitia? C'est incroyable. Bah oui, hein, c'est vieux, les deux ont 20 ans. C'est énorme et en ans, pleine c'est forme. 120 ans en âge humain quand même. Et 20 en ans en pleine forme. Attends, tu dis que 20 ans, ça fait 120 ans en âge humain? C'est pas x 7 normalement? Ouais. Faut pas multiplier par 7. Hein. À Ah partir bon? de 18 ans, chaque année, c'est presque 10 ou 20 ans de prix. Hein. C'est vraiment. 20 ans, c'est beaucoup. Hein. C'est Oui, mais beaucoup alors, pour un si je chat. fais 20 fois 7, j'arrive à 140, donc ça marche comment, ta logique? Parce que là, le prof de maths qui est Cyril ne va plus rien comprendre non plus. Comment Ah ça non, marche? on multiplie Un morceau, là. par 7. C'est exponentiel. C'est exponentiel, selon la Voilà. vieillesse. On ne multiplie pas par 7. En fin de compte, les dernières, enfin, au-dessous de 15, si vous voulez, chaque année, bon, ça fait beaucoup d'années, quoi. Voilà, c'est pour ça. D'accord. Pas mal. Ok. Bon, bah merci beaucoup, Laetitia. En tout cas, on a bien appris plein de trucs. C'était très utile. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont être contents que tu sauves leur canapé, y compris Cyril ou Nicolas le jour où il aura un chat. Voilà, les amis, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis rendez-vous la Bisous, à semaine bientôt, prochaine. Je merci vais mettre le beaucoup. générique de fin qui fait plaisir à Bonne Fred. Je sais journée. que c'est spécial pour Fred. Petit indice, la semaine prochaine, c'est l'anniversaire de Fred. Alors, je ne sais pas ce qu'on va faire. Ah. Il faudra qu'on fasse peut-être quelque chose. C'est son anniversaire en direct. Il nous écoute en ce moment. Gros bisous, les amis. À très vite. Bonne Et merci journée, à au tous de nous revoir. avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager les vidéos à vos amis, je le redis toujours. Mais faites-le, ça nous aide beaucoup. Bisous à tous.